احنا الشعب اللي تمشى بالحفار عشوك عجلي وعلى النار بنبو العيد واسمو مصطفى علي لفوانت وبدي عمار القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين دهشوا نهار علي ما توقف احنا عابتنا نموت واقفين نموت على النيف والشرف نموت على الوطن والدين علمنا بلادي خير فرف على هما الجزائريين بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين حبوا يديوا البلاد ديالي حسبونا ما ناش قادرين فكتهم حسيبة بنبوع للجميلة تونس الاخرين من حقك يا الجزائر تولوا لي ولدي نساو رجال حرين انا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين واش نذكر واش نخلي شهداء روحهم طاهرين مازالهم في قلبي وفي بالي ربي يرحمهم اجمعين والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياص وساطيل على عروج وخير الدين احكي لهم وفهم الناس اللي جاهلين اللي الجزائر ما هيش ليهم ولادها ما زالهم عايشين في وسط الجناس كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين اللي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الجناس كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين. السلام عليكم, مساء الخير, bonsoir tout le monde, Zulf Lawen. Encore une fois, on se retrouve sur Jazeera Hope. أهلا كل متابعين. اليوم, encore une fois, un invité de marque, Madame Luisa Gallez, qui est docteur en philosophie, qui est chercheur au CNRPH, on va voir ce que c'est, et qui est aussi inspectrice à l'UNESCO. Bonsoir madame, merci bonsoir. D'avoir répondu à l'appel. Khair, ça fait vraiment khair. Plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, Jazeera Hope, comment vous... Oui. Azul Filaoun. Azul Aslama, t'es merde. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Jazeera Hope a pour ambition un petit peu de sortir des sentiers battus, aller vers plus positif. On essaie de réfléchir ensemble et d'apprendre tous ensemble entre Algériens, entre nous. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc, bonsoir à tous. Marhaba Kamel, encore une fois.
Madame, je vous donne la parole si vous voulez un petit peu mieux présenter qui est Luisa Gallez, un petit peu qu'on vous connaisse un petit peu plus. Et après, on va passer au centre. Très bien. Alors, Luisa Gallez, c'est une personne qui n'aime pas critiquer. Adelola. Moi, je pars de l'idée, blé, quand il arrête de critiquer, il commence à construire, c'est là qu'il commence à réfléchir. Même si en philosophie, on appelle ça la déconstruction pour la reconstruction, mais la déconstruction, ce n'est pas de la critique. C'est tahlil, la déconstruction, c'est l'analyse. Mais remettre toutes les pièces, détacher toutes les pièces pour les comprendre séparément, pour les reconstruire avec une pensée nouvelle. Donc moi, je m'inscris dans ce courant-là, c'est le courant structuraliste ou le courant de la reconstruction de la pensée algérienne et de la pensée musulmane et de la pensée humaine, la pensée mondiale, la pensée universelle. Je suis au CNRPH depuis 14 ans à peu près. J'ai été professeur à l'université, professeur de philosophie à l'université pendant plusieurs années. Et après, j'ai arrêté d'enseigner pour faire de la recherche. Le CNRPH, bon, d'abord, avant de parler du CNRPH, j'ai quelques ouvrages, j'en ai pas beaucoup. Je suis en parallèle, bon, je suis prof de philosophie, chercheur au CNRPH, je suis aussi experte auprès de l'UNESCO. Et j'ai une deuxième casquette dont je ne parle pas souvent, mais ce serait bien d'en parler. Je suis formatrice de la société civile. Donc, dans la formation de la société civile, j'ai deux livres. J'ai fait un inventaire sur toutes les associations, un état des lieux des associations en Algérie. Ou le deuxième, c'est une méthode d'approche, une méthodologie. Comment l'association doit se comporter? Ces deux livres ont été vendus. Je pense qu'il n'en reste plus. Il faudra les rééditer. Mais bon, la réédition, ça y est. J'ai aussi un autre livre sur le patrimoine soufi. C'est une traduction de la pensée de Eva de Vitry-Mérovitch, qui est aussi une femme soufie. J'ai un autre livre sur le Hirak. Mais le côté positif, j'ai appelé ça la révolution du sourire. Le Hirak, j'ai pas fait un livre sur le Hirak en fait. J'ai fait un livre sur l'esprit du Hirak, la philosophie que dégage le Hirak. Comme une façon, un moyen de reconstruire la pensée algérienne. Eh bien, madame, moi, je vous invite dès aujourd'hui en live à faire un autre live sur la société civile. Ça sera passionnant. C'est avec plaisir. Voilà, donc devant témoins, je vous ai pris au mot un autre live, alors, Inch'Allah. Ceux qui sont d'accord, ils envoient leur accord, et ceux qui ne sont pas d'accord aussi. Voilà. Et moi, allez-y. Donc, sinon, j'ai plusieurs articles dans plusieurs revues traduites, parfois en russe, parfois en azéri, parfois en arabe, parfois en français ou en anglais. Je voudrais juste citer une encyclopédie qui est en train de naître en Algérie, une très, très belle encyclopédie privée qui en est à son cinquième volume. Dernier volume, l'oulan, il fait zout, je vois là. Le volume 10, il fait 3. Maintenant, la réédition, elle va arriver jusqu'à 5 volumes. Elle est en arabe, en français et aussi traduction en temazirt. Dans celui-là, j'ai quand même beaucoup contribué. Je continue à contribuer parce que mon rêve, c'est que nous parvenions, l'Algérie parvienne à avoir sa propre encyclopédie de son patrimoine et de son histoire. Et de cela, je dois dire que je suis assez fière. Si on arrive à poser vraiment les bases d'une encyclopédie qui, pour l'instant, est bien partie. Donc, longue vie et bonne chance à notre encyclopédie algérienne. Elle s'appelle d'ailleurs Encyclopédie algérienne. Elle est vendue à tous les salons du livre. Très bien. Voilà. On va faire un article sur le site pour l'encourager parce que c'est très, très important. Je vous enverrai les photos. Je vous enverrai les photos de l'encyclopédie. D'accord. OK. Ça m'a rappelé un film quand l'Angleterre essayait de faire son dictionnaire. Ils ont fait une adaptation d'une histoire vraie. C'était devenu un enjeu national de faire le dictionnaire de l'anglais. Ils étaient en compétition avec les Français. Moi, je trouve que ces répertoires de savoir sont très, très importants. Et moi, je vous encourage. Et si on peut aider ou faire travailler un petit peu les Algériens qui s'intéressent à participer. Oui, on peut faire des appels.
On voilà. peut faire des appels parce que tous les sujets sont intéressants. Parfois, surtout on trouve des spécialistes, mais d'autres, c'est plus difficile. Donc, on peut faire des appels pour tous ceux qui veulent participer à l'encyclopédie algérienne, ben, qu'ils se manifestent voilà. à travers vous, à travers moi. Ça, ce n'est pas un projet du CNRPH. J'ai dit, c'est un privé qui a lancé cette idée de faire une encyclopédie. Quant au CNRPH, donc j'en viens à la question, c'est un centre de recherche, Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie, histoire. Donc, comme son nom l'indique, un de des fouilles de la préhistoire, des fouilles archéologiques. Donc, pour rechercher un petit peu ce qui s'est passé, ça fait 4000, 5000, 10000 ans. Toutes les recherches que nous avons sur le sud, tu as les gravures rupestres, tu as les grottes et tout ça, c'est le CNRPH. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des découvertes de Ain Bouchelet, c'est le CNRPH. Les découvertes à Al-Jdar, c'est aussi le CNRPH. La tombe de Massinissa, la tombe de Ousmane Tinhinen et tout ça, à Balessa, c'est le CNRPH. Bon, à Massinissa, c'est quand même à Constantine. Et à Ousmane Tinhinen, c'est à Balessa. Donc, c'est tout ça, l'archéologie. Quant à l'anthropologie, c'est toutes les recherches qui sont sur le patrimoine algérien, ce que nous faisons avec l'UNESCO, ce que nous devons faire intramuros, c'est-à-dire les inventaires du patrimoine culturel. En plus du patrimoine culturel, il y a aussi le patrimoine naturel, mais ça, ce n'est pas le CNRPH. Donc, nous avons bien entendu une bibliothèque qui est une bibliothèque généraliste d'anthropologie. Et nous avons aussi une bibliothèque spécialisée qui est en fait un ensemble de dons qui ont été faits par différents auteurs qui ont été offerts au CNRPH et qui s'appelle l'IRS, c'est l'Institut de recherche sahraoui à l'origine. Maintenant, ça s'est transformé en la salle des dons, avec une plaque dorée avec les noms de toutes les personnes qui nous ont offert des livres. Le dernier en date, c'était mon prof, après son décès. Morto, elle m'a contactée. Atli, j'ai envie d'offrir les livres à l'université. Moi, je les ai détournés, je les ai pris au CNRPH. Ils sont actuellement au CNRPH, c'est des livres de philosophie. Voilà. Donc, le CNRPH, il y a énormément de choses à dire, mais peut-être que l'essentiel du CNRPH, c'est qu'il était présidé ou dirigé par Gabriel Kamps pendant un certain temps, jusqu'à 68. À partir de là, il a été dirigé par Mouloud Mamré. Et quand il y a eu le travail sur le sud, le travail sur la Hlil, c'était Mouloud Mamré qui était encore directeur du CNRPH. Voilà pour le CNRPH. Donc, je pense que je peux clôturer la parole sur le CNRPH parce que sinon, on parlera pendant des heures. C'est oui, un centre, absolument. Un centre à découvrir. Oui. Nous avons, par exemple, des ossements qui datent pratiquement du Néandertal, plus le début de l'Homo sapiens jusqu'au siècle dernier. Et nous avons aussi autre chose, des pas de dinosaures, des squelettes d'ours préhistoriques, des trucs comme ça, quoi. Si vous voulez, maintenant, on peut passer à notre sujet. Le patrimoine. Le patrimoine qui nous concerne tous. Mm-hmm. Et moi, je vous laisse la parole. Et surtout, je suis très admiratif du travail qui est fait. Et j'encourage tous les téléspectateurs qui nous regardent tout de suite ou plus tard. Vous allez voir, c'est époustouflant tout ce qu'on a dans notre pays. Voilà. À vous, madame. Merci beaucoup. Merci, Adèle. Donc, ce que je vais présenter là, c'est juste une partie de ce que nous faisons au centre, bien entendu, de ce que je fais de ma vie. C'est une partie ciblée parce que j'ai dû répondre à une ou deux questions. D'abord, qu'est-ce que nous faisons? Ensuite, qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel d'après l'UNESCO? Rattache l'UNESCO, te mettre l'INDER ou les inscriptions. Et donc, quelles sont les conditions pour faire une inscription? Parce que les gens, ils ont tendance à dire il faut inscrire ci, il faut inscrire ça et tout ça. Ce n'est pas le plus important. C'est vrai que c'est important d'inscrire, mais c'est très, très compliqué. En plus, c'est très long et on ne peut pas inscrire autant qu'on veut. On inscrit une chose à la fois.
Et donc, le but, ce n'est pas d'inscrire, parce qu'on ne peut pas tout inscrire. Il nous faudra peut-être 500 ans pour tout inscrire. Mais entre inscrire et identifier, il y a quand même une marge où on peut faire beaucoup de choses. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est ce que nous avons inscrit. Mais avant de passer à l'inscription, je vais déjà vous dire qu'est-ce que c'est le patrimoine. Parce que les gens, ils ont aussi tendance à me dire, ça c'est une remarque que j'entends souvent, mais les robes, c'est matériel parce que c'est du tissu. Le couscous, c'est matériel parce que c'est de la semoule. Donc, je vais peut-être faire, ça me donnera l'occasion de faire un petit peu de donner quelques définitions sur ça. Donc, si on veut passer à la diapo suivante, je voudrais parler de ce qui unit les Algériens dans le patrimoine. Parce que on a tendance à dire que « l'khobstakou mechikman khobstana » En fait, ce qui nous unit, c'est plus que ce qui nous sépare. C'est beaucoup plus. Ce qui nous sépare, c'est rien. Parce que tout nous unit. Là, nous voyons, par exemple, quand le confinement a commencé. Au début, les informations étaient floues. Le virus, en dehors de l'homme, quand il est dans l'air, est-ce qu'il dure quelques minutes ou là, il dure des heures? Est-ce que quand on va chez le boulanger qui a mis le khobz bido, est-ce que fait le virus, est-ce qu'on va avaler le virus? Il y avait une schizophrénie qui était autour du virus. Donc, toutes les femmes, elles ont commencé à faire la galette à la maison. Alors, il y a deux choses qui ressortent qui sont du patrimoine. D'abord, même les hommes, hein? Même les hommes, ils ont fait. Oui, même les hommes. Mais bon, dites-moi, combien d'hommes ont fait la galette à la maison et je vous dirai combien de femmes ont fait la galette à la maison. Parce que nous sommes 44 millions. On va dire que la moitié, c'est des jeunes, il reste 20 millions. Voilà. 19 millions, c'est des femmes, 1 million. Ou l'actam, 1 million. Mais on a mangé 30 millions de galettes. Oui, bien sûr. Pour manger, parce que l'année fière de la photo à dire, on est d'être idée ni chabzo. Je ne sais pas qui dit ni yakle, mais je ne sais pas qui yakle. Je ne sais pas qui yakle. Donc, ce qui nous rassemble, c'est d'abord le blé. Le blé, vous me direz, ah, mais ça, c'est le patrimoine naturel. Oui, le blé, c'est le patrimoine naturel. Mais ça, li zara al-qamh, ou li yhsad, ou li yirhi, ou li tayyib, tout ça, c'est du patrimoine culturel. Patrimoine culturel immatériel. Et tout ça, c'est les femmes et les hommes qui le font. Et on le fait pratiquement partout de la même façon. Après, c'est vrai, wahda tayyib al-ksara, l'okhla tayyib al-khfaf, wahda tayyib al-roman qaro, l'okhla tayyib tagilla. Mais tout ça, c'est du blé, c'est de la préparation sur du feu, forno ou la cuisinière électrique ou la djma, mais c'est toujours la cuisson sur du feu, et surtout, l'ardjin. L'ardjin, le mouvement que nous voyons, il se fait partout de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose de... C'est un élément fondateur de la cuisine algérienne. Et que cela. Ça, c'est la première chose qui nous unit. Ferme d'an, même en dehors du confinement, نطيبوا الكسرة. نطيبوا الشربة, نطيبوا حوايج واحد اخرين, بصح كامل لي زالجيان يطيبوا الكسرة. دوكا vous allez me dire ah oui mais maintenant les femmes qui travaillent mais khbzouch et tout. Mais c'est pas un problème. Les femmes qui travaillent, elles enseignent par exemple ou elles soignent ou là je prends l'exemple de l'enseignante. Les hommes aussi, mais bon, je parle des femmes. Parce que c'est elles qui font la cuisine généralement. Proportionnellement c'est plus elle que les hommes, proportionnellement. Quoique la tendance est à la mode de voir les hommes rentrer dans les cuisines, mais ça prend du temps et le patrimoine culturel prend du temps pour se modifier, la société aussi. Donc, à partir du moment où l'enseignante ou la femme au foyer, Tibertlé ou Lidha, me carrée et je fais bien mon travail d'enseignante, il est tout à fait normal et c'est honorable que la femme qui peut faire à manger, elle le fait et elle me le vend et j'achète son pain avec beaucoup de fierté pour moi qui l'achète parce que je contribue à son subside, je contribue à améliorer sa vie de tous les jours. Ou bien elle contribue à me faciliter ma vie de tous les jours. Donc ça, ce sont des choses, ce sont des convergences et non pas de la déperdition. On n'a pas besoin de dire à tout le monde, il faut que toutes les femmes y khabzo, il faut que tous les hommes y khabzo, il faut que toutes les femmes dans ce cas karo, ou tous les hommes iqra, ou toutes les femmes idaoui, c'est des stéréotypes. Donc. Voilà, c'est des stéréotypes. Donc, l'essentiel, c'est que le patrimoine ne s'en aille pas.
Qui le fait par rapport à qui? Il y a des producteurs, c'est-à-dire des détenteurs de savoir-faire, et des bénéficiaires. Comme tout le reste dans le monde entier, quand on a compris ça, on peut avancer dans une société. Je fais ce que j'ai à faire, tu fais ce que tu as à faire, je te donne ce que je fais et tu me donnes ce que tu fais. Et on échange et on positive. Et on est tous heureux parce que nous ne manquerons de rien. Et nous aurons en plus du temps libre. Donc ça, c'est pour revenir le Khobz, l'Extra, les firmes d'Anne. Déroha catégoriquement, et dès qu'il y a un problème, on se retourne vers notre savoir-faire, les savoir-faire ancestraux, pour renouer avec la tradition, pour ne pas perdre le lien avec les anciens, et ça c'est très bien. Ça c'est le premier point. Deuxième point, deuxième diapo. Ce qui nous unit encore, l'Eid el-Kbir, on fait des gâteaux, mais on fait aussi les mêmes gâteaux. Là aussi, qu'est-ce qu'il y a dans nos gâteaux? Il y a à peu près la même chose. Il y a de la semoule, de la farine, du sucre, des œufs, et j'en passe. Quel y fait sucre, quel y fait homme. Par exemple, le semoule m'a fait sucre, le khfaf m'a fait sucre, le makrout m'a fait farina, le ghribia m'a fait smid. Mais tout ça, tous les Algériens le savent. Et tous les Algériens le font de la même façon. Et tous les Algériens commencent la dernière semaine de Ramadan, ou la dernière semaine avant l'Eid el-Kbir, mais c'est surtout fait Ramadan. Et c'est une émulsion collective qui fait que chacun est chez soi, mais nous faisons la même chose. Si on prend le téléphone, on appelle n'importe qui, donc ça c'est quelque chose qui nous rassemble. Et tout le monde le sait en même temps. Tout le monde le sait, bien sûr. On n'appelle pas pour le rappeler, les non, juste on les appelle pour converger ensemble, pour dire que nous sommes en train de le faire ensemble. C'est un rappel, c'est comme quelqu'un qui défend ses portes ouvertes. C'est un rappel pour ceux qui le savent, pour ceux qui n'ont pas oublié. Et personne n'a oublié, parce que jusqu'à présent, Halout Taba, Fouk Tablat Al-Eid, advienne que pourra, y compris le reste, Halout Taba, c'est fondateur. Voilà. Et en même temps, on s'appelle aussi pour dire « j'ai pas oublié ». Oui, bien sûr, oui. Tout ça, pour confirmer sa présence et son appartenance à cette tradition globale. Voilà, tout à fait. On appelle pour montrer que nous sommes tous dans nos, je dirais pas dans nos traditions au sens négatif. C'est pas un sens négatif, les traditions. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas moderne quand on se dit je suis dans la tradition. Je ne suis pas traditionnaliste. Je suis dans mon algérianité. Voilà, je suis dans, très bien, je suis dans mon algérianité. Je suis comme toi, tu es comme moi, nous faisons la même chose, nous pensons pour des choses communes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. La diapo suivante, c'est juste pour un clin d'œil, pour dire qu'il faut mettre vos masques quand même quand vous sortez, et aussi pour dire aussi que Kibdel Covid, indépendamment du patrimoine, instinctivement, beaucoup d'associations ont commencé à fabriquer des masques parce qu'il en fallait beaucoup. Je passe à autre chose. Encore des traditions, deuxième, autre diapo. Voilà, Hadou, ce sont des traditions qui nous unissent aussi. Je connais les gens qui ont été en Tzaïr, dans le cas, ou qui ont été en Tzaïr, 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 ou qui ont été en Tzaïr. Ça, c'est aussi des choses qui nous unissent. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos traditions, ça fait partie des choses que nous chérissons et ça fait partie des choses qui va ressortir. Et c'est quelque chose qui va ressortir tout à l'heure parce que nous allons parler du couscous. Ensuite, toujours par rapport au confinement, d'autres diapos, quand on a commencé à réfléchir à faire quelque chose parce qu'on était à la maison et tout, beaucoup se sont remis aux traditions des anciens. Alors les aiguilles, le crochet et tout ça, mais tout ça c'est du patrimoine. Tout ça, c'est toutes les femmes et tous les hommes aussi qui savent le faire, même si on l'a oublié pour un temps, parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin, ça se vend dans les marchés. Mais là, dès qu'on s'est retrouvé à avoir du temps libre, on a replongé dans ces traditions qui sont les nôtres. On a renoué. On a renoué avec ces traditions qui sont les nôtres. Déjà enregistrées. Voilà. Oui. On creuse dans le passé, on creuse dans le patrimoine, on creuse dans les savoir-faire. On n'apprend pas ex nihilo.
C'est vrai qu'il y a des jeunes qui se sont mis à interroger Internet pour savoir comment faire, mais parce qu'ils savaient déjà qu'il fallait le faire. Ça, ils connaissaient l'existence de ça. Ils connaissaient l'existence du crochet, l'existence des aiguilles, comme ils connaissaient l'existence d'Ahlout Taba ou Shorba et tout ce qui s'ensuit. Juste entre parenthèses, vous savez que Shorba algérien, c'est une des meilleures au monde. Je confirme. Moi aussi. Voilà. Donc, autre diapo. Qu'est-ce que c'est le patrimoine? Alors, le patrimoine, c'est ce que nous faisons tous les jours. D'après les données de l'UNESCO, l'UNESCO a identifié dans le patrimoine 5 domaines. Ce n'est pas restrictif. Hein. S'il y en a plus, on peut l'obliquer en plus. C'est-à-dire, les domaines, ils sont globalisants. C'est-à-dire, c'est des, en quelque sorte des génériques. Donc, le Hajj al-Oula, c'est toutes les oralités. Chir, ou le Bukhalet, ou les devinettes, toutes les oralités rentrent dans le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est les arts du spectacle. C'est quoi les arts du spectacle? Par exemple, tu fais une naïr. Une naïr fait Bnisnous. Il y a un spectacle qui se fait avec une naïr, le spectacle d'Aïrev. Il y a d'autres spectacles. Sbeiba fait Sahara, fait Janet. C'est aussi un spectacle. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Donc ça, c'est les arts du spectacle. Ce n'est pas un spectacle qu'on voit sur une scène de théâtre. Hedek, c'est le théâtre. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit ensemble. Il faut que ce soit dans la vie de tous les jours. Même si ce n'est pas tous les jours, même si c'est une fois par an ou là, ponctuellement ou là. Mais c'est ce qui fait partie de nos traditions. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas prendre la var ta Molière ou une dérobe sur scène, l'arbre sur scène avec des acteurs et ça devient un patrimoine culturel immatériel. Non. Ce sont des choses que nous vivons. Le spectacle, par exemple, ta l'arosa. Ça, c'est un spectacle parce que c'est impensable de voir Arousa Kharja Hegda. On reconnaît Haïk Marma, c'est pas seulement Hadara. Hadara, il est même le Haïk Marma. Donc, le Tokhruj Haïk Marma, Tokhruj Lebsa, Lebsa Ta local. C'est vrai que ou la quand tu es en train de travailler, 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 tu local. C'est toujours local. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'habille localement ou tu es en train de travailler. Et ça, c'est une tradition où bébé a été en train de travailler. Donc, c'est la protection du père qui va la protéger jusqu'à arriver chez son mari. Il y a aussi un autre point, la photo de Inayel, parce que Inayel, bon, non seulement c'est devenu national, mais en plus, avant, c'est devenu officiel, mais avant d'être officiel, il a toujours été national, parce que vous allez n'importe où. Moi, j'ai été à Timimoun, j'ai trouvé les gens, ils diront Inayel, donc c'est toute l'Algérie qui est concerné par Inayer. Ce n'est pas seulement Inayer, on a aussi l'Aïd Kber, on a l'Aïd Lusrer. Mais Inayer, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il était là avant tous les autres. Et c'est pour ça qu'il faudrait en parler. Il y a aussi les rituels. Hadi, tu as la photo en bas à droite, tu as le Tahara, tu as un enfant, tu as le Henna, tu as un enfant. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine, parce que nous le faisons tous de la même façon. Je connais que les gens qui ont fait notre Fulsrer, ou même des Roulouches le Henna. Ou la même arosa. Je connais pas les blés de l'arosa, mais des chlana. Je ne pense pas qu'il y en ait. Et puis nous avons Ziyara. Ziyara tel Aulia. Ce n'est jamais le même Ouali. On a fait Ouaran, c'est de l'Ouali. Fait l'Imsan, c'est des Boumdien. Fait Andinahnaya, l'Asiyad Kamil qui descend de l'Arhmaniya. À l'Est, c'est des Rachid. C'est des Rachid, c'est ça. Dans le Sud, il y en a plusieurs. Je peux citer, je ne sais pas, c'est des Bokras, mais tout ça. Mais c'est toujours Ziyara, c'est toujours ce qui est important dans la Ziyara, c'est surtout la dimension spirituelle que nous avons de cette Ziyara. Ce n'est pas le nom de, du Wali en soi, mais c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire que nous avons une reconnaissance de nos anciens, de nos ancêtres, qui nous ont montré le chemin, un chemin sur lequel nous continuons à marcher. C'est ça qu'il faut retenir de Ziyara Tal Awliya.
Et tout ça, nous le retrouvons dans toute l'Algérie. Donc, il y a aussi dans le patrimoine, j'ai parlé de les rituels de la société, il y a des choses qui sont en rapport avec la nature et l'univers. Quelque chose que nous appelons toutes les pratiques en rapport avec la nature et l'univers. Par exemple, la rencontre du printemps, Kintlaqa ou Nlaqa ou le printemps, Narhaboub le printemps, Barbia. Hadi, c'est une fête culturelle. Nderouha différemment, mais Nderouha partout. Le mois de mars, le 21, le 20, le 22, le 19, que l'on a dit, يخرجوا يديروا حفلة ولا يديروا وعدة في برا كاين اللي يجيبوا دي فلور كاين اللي يجيبوا دي بلانت كيما ادريس كاين اللي يجيبوا الحشاوش يطيبوهم كيما في الصحراء يديروا طعام يفتلوه بالحشاوش دونك سي مونتري كو نو سوم دون لو ريسبي دو لا ناتور باسكو لا ناتور هذه هي اللي راهي توكلنا كيما هضرت مقبله على لو بلي و سافي كو لو بلي دات دو نيوليتيك. Et depuis le néolithique, nous avons du respect pour celui qui a domestiqué le blé, parce que le blé, comme toutes les autres plantes, c'était, on l'accueillait, on l'a mangé, on était des cueilleurs-chasseurs. Donc, à partir du moment où on a commencé à domestiquer une plante et un animal aussi, on a changé de façon de vivre et de façon d'être. Djana, des agriculteurs, Djana plus stable, même si c'était à l'origine, c'était des grottes. Mais pourquoi ? Parce que maintenant, au lieu d'attendre d'aller chercher où se trouve la nourriture, eh bien, on va la planter nous-mêmes. Et ça, c'est une phase très, très importante dans la vie de l'homme. C'est le début de la civilisation. C'est le début de la civilisation. La sédentarisation, la culture. On est passé de l'homme nature à l'homme culture. On est passé du chasseur-cueilleur à, je ne sais plus comment on l'appelle, parce que je ne suis pas archéologue, donc c'est pas ça grave. Ça s'est passé où ? C'est pas en Turquie, les hauts plateaux de Turquie, c'était pas là-bas. Ça s'est passé partout de la même façon. Lequel est le premier ? Bon, les archéologues auront des points de vue différents, parce qu'il y a la Turquie, oui, il y a aussi la Palestine. La Palestine, ouais, c'est une des plus vieilles civilisations du monde. Ouais. Les plus anciennes villes connues, c'est en Palestine aussi. Ouais. Et puis, il y a les autres... Bon, parce que nous, on est encore dans le bassin méditerranéen. Ouais. Mais en dehors du bassin méditerranéen, la vie existe. Il y a la Chine, l'Asie en général, et puis il y a l'Amérique, puis il y a l'Australie. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça a commencé exactement. Est-ce que réellement, c'est en Turquie ? On peut peut-être découvrir un jour que c'était en Russie. Non, on ne s'est pas posé la question à la Russie parce que malheureusement, ce n'est pas nous qui faisons toutes les fouilles. Elles viennent surtout du sud de l'Europe, c'est-à-dire... Mais on c'est est parce qu'elle refroidit, elle est congelée. C'est difficile de faire les fouilles. Elle a refroidi. Oui. C'est la glace et la neige. Oui, mais bon, avant, justement, tout ça, c'est la glaciation. Quand est-ce qu'elle a commencé? Dans quel pays elle a commencé? Pourquoi elle a concerné plus que certains pays que d'autres? Est-ce que ça a empêché la civilisation d'arriver très tôt? Ça, ce sont des questions d'archéologie. Je ne suis pas fiable pour répondre à ce genre de questions. Donc, maintenant, je fais home. Je préfère laisser ça à un archéologue. Ou là, je vais tout cacher notre arbre d'archéologue. Du coup, des meilleurs à la CNRPH, Mahmoud, les archéologues. Magnifique. Voilà. D'accord. L'appel est lancé. Hein. On prend note. D'accord. OK. D'accord. Donc, il y a aussi et le gros pavé du patrimoine culturel immatériel, c'est quand même l'artisanat. Parce que vous savez, on a le camel, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat. La fabrication, c'est l'artisanat. Donc, tout ça fait que l'artisanat, c'est incontournable. Et c'est le plus gros paquet, parce que dans l'artisanat, dans les métiers d'artisanat, les savoir-faire, les savoirs et savoir-faire, on les appelle comme on veut. C'est là que nous trouvons vraiment la façonnation, la façon de faire le travail. Voilà ce que je pouvais dire en premier lieu. Autre diapo. Alors, oui, la question qu'on se pose aussi, qui est concerné ? Qui peut gérer tout ça ? Qui peut englober tout ça ? Qui peut travailler dans tout ça ? Bien entendu, tout le monde travaille dans le patrimoine. Mais d'abord, la tradition veut
que le premier concerné, c'est le ministère de la Culture. C'est que la tradition qui le veut. Hein. Parce qu'on balde à l'artisanat, le Rawaf, le ministère de l'artisanat et du tourisme, qui a une tannite de l'artisanat agricole, parce que le Fillah, il dépend du ministère de Fillah, de l'agriculture. Puis quoi encore? Les universités, parce qu'elles forment les anthropologues et les sociologues et les historiens qui vont travailler sur le patrimoine. Et puis, nous avons aussi la société civile. Société civile, c'est d'abord toutes les associations qui travaillent sur le patrimoine. Nous avons aussi les détenteurs et nous avons le consommateur. Tout ça, c'est des gens qui sont concernés. Et puis, nous avons les institutions concernées déconcentrées. Je ne dirais pas décentralisées, parce qu'on n'a pas de décentralisation en Algérie, mais je dirais décentralisées. La direction de la culture fait dans chaque wilaya, la direction de l'artisanat dans chaque wilaya et tout ça. Tout ça, c'est des gens qui sont concernés par la culture. Autre diapo. Voilà, donc j'ai commencé par montrer des aspects palpables avant de rentrer dans la définition pour pouvoir avancer plus vite parce que quand je rentre directement dans la définition, je parlerai en chinois. Donc, le patrimoine culturel immatériel, c'est un ensemble de connaissances et représentations sociales transmissibles ou en transmission qui passe d'une génération à l'autre à travers la transmission intergénérationnelle. Nous n'inventons pas notre patrimoine, mais nous ne pouvons pas s'en passer. Le patrimoine, c'est ce que nous avons créé. جاينا من الجدود حبينا ولا كرهنا واش خلاو الجدود هو الباتريمون تاعنا هو بالك عندهم ما كانش باتريمون عندهم كان الحياه العاديه سيتي لا في كوتيديان لا في دو تو لي جور كيفاش يديروا الطعام كيفاش يديروا الحنه كيفاش يديروا يناير ايتو سا سيتي لو في دو تو لي جور حنا aujourd'hui on a commencé à travailler autour et à l'appeler patrimoine mais en réalité c'est la vie des anciens alors évidemment il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois le patrimoine des anciens, il faut le conserver. Khali kikoun patrimoine mliah. Mais là, j'ai envie de dire aux uns et aux autres, kifash nqdir rana nqoul patrimoine mliah ou la machi mliah. Had le patrimoine li kan men waqt massinissa ou la men waqt néolithique ou huwa yemchi hatta ldork. Il a fonctionné à travers 3000, 4000, 5000 ans. Aujourd'hui, je viens, un grain de poussière dans l'immensité de l'espace et je vais juger ce que les autres m'ont transmis et grâce à qui je suis en train de vivre. Parce qu'il faut se dire, le patrimoine, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons sans le voir. Le sujet, verbe, complément, c'est du patrimoine que j'ai appris des anciens. Si je commence à juger, je vais tout juger. Je ne vais pas seulement juger est-ce que l'innaïr est bon, ou là est-ce que l'id est bon, ou là la robe toïla, ou la psera, ou la char mtlouk, ou la char mtfour. C'est pas que ça, ce n'est pas que de l'apparence. Le patrimoine, c'est d'abord un ensemble de traditions. Ensuite, c'est de la spiritualité, c'est de l'esprit. Ensuite, c'est un savoir-être, c'est ce que nous sommes. كيفاش نقعدو كيفاش نربو كيفاش ليما ليما تتردع وليدها on m'avait posé une question intéressante une fois j'étais jeune j'étais un petit peu dans le courant de rationalisme pur وقالوا لي si un jour t'as un enfant كيفاش ترضعيه ben قلت لهم نحطو فوق المطرح ونمد له البيبون قالوا لي c'est pas vrai tu es en train de mentir et c'est vrai parce que ma mère jamais حطت bébé فوق المطرح وعطات له البيبون Même la canne, elle était obligée d'accompagner par le biberon parce qu'elle n'a peut-être pas suffisamment de lait qui connaît, il a dépassé 6 mois. Mais tarda fi hjerha. Donc, ce que j'ai vu dans mon enfance et ce que j'ai vu dans ma jeunesse, c'est une maman tarda fi hjerha, ma tarda chouk matarah. Et ça, ça fait partie du patrimoine. Ce sont des gestes, le patrimoine. C'est un savoir-être de tous les jours. Quand je prononce le kha parce que je suis kabyle, je prononce le ga parce que je suis kabyle, c'est du patrimoine. Quelqu'un d'autre à qui on ne l'a pas transmis de mère en fille ou là, de père en fils ou là, de père en fille ou là, ne pourra jamais le prononcer. C'est tout ça le patrimoine, c'est la vie telle qu'elle se fait par chacun de nous que nous avons récupéré ou là, que nous avons accueilli,
qui nous vient des anciens. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit, mais ça, c'est concernant le monde, c'est concernant la nature, c'est concernant la terre, la protection de la terre. C'est valable aussi pour le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas seulement ce que nous héritons de nos ancêtres. C'est aussi ce que nous empruntons à nos enfants. Le patrimoine, le but ta'ana, c'est quoi? Le rôle ta'ana, le devoir ta'ana. C'est de le communiquer aux générations futures. Parce que Houma, les anciens, ils ont fait ce qui est leur devoir. Ils nous ont communiqué tout ça. Si nous, on l'efface aujourd'hui, c'est que nous sommes incapables de transmettre aux générations futures. C'est que nous avons fauté dans notre vie. Est-ce que ça mérite? Est-ce que la vie mérite d'être vécue si nous ne sommes même pas capables de transmettre ce que nous avons reçu de nos anciens? Alors que nous, عندنا قرايه عندنا جامعات ورانا مستقلين ورانا كذا ورانا كذا كما قال باسكال il est tout à fait normal de voir plus loin que nos ancêtres puisqu'on est porté sur leur dos ولكن هما يرفدونا فوق ظهرهم وحنا نمسقوا فوقهم il y a quelque chose qui ne va pas, nous ne sommes pas dignes d'être leurs descendants. Donc ce qui est demandé, ce qui nous est demandé, ce qui est de notre devoir, au moins si on ne peut pas faire plus, au moins, c'est de récupérer ce patrimoine tel qu'il est et le transmettre aux prochaines générations. Si on peut faire plus, on fait plus. Sinon, au moins, c'est de notre devoir de le prendre tel qu'il est et de le transmettre. Mais si on peut faire plus, on peut faire plus. C'est l'aql iman. Voilà. Autre diapo. Le patrimoine Heda, pour le collecter, pour l'identifier, il a fallu des lois. Parce que tout à l'heure, on a parlé des acteurs du patrimoine. Qui fait, qui travaille dans le patrimoine? On a les experts, mais aussi le ministère de la Culture, mais avant tout le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Artisanat, le ministère de l'Enseignement. Donc, on a quand même le patrimoine. Il y a des lois. Alors, la première loi, c'est la loi 98-04 qui définit, Raif Journal officiel, hein, qui définit le patrimoine culturel par les articles 67 et 68. La loi, elle parle de beaucoup de choses. Les articles 67 et 68, elle définit le patrimoine culturel, surtout matériel et immatériel. Ensuite, il y a le décret exécutif 03-325 qui parle de collecter le patrimoine et d'en faire une base de données. Après, jette la constitution de 2016, l'article 45, elle est revenue sur le patrimoine. Parce que les constitutions, le patrimoine. Ce n'était pas la mode. Il n'y avait pas de raison d'en parler, ça ne veut pas dire qu'on ne le faisait pas. Mais la constitution de 2016, elle a appuyé, elle a parlé du patrimoine et elle a dit que l'État protège le patrimoine national, matériel et immatériel, et œuvre à sa sauvegarde. Donc, Hadel Lidjaf, la constitution de 2016, l'avant-dernière, paraît-il. Deuxième diapo, enfin, suivante. Donc, je voudrais toujours revenir sur cette définition, juste pour expliquer les choses un petit peu historiquement. S'intéresser au patrimoine. Les patrimoines, ils nous viennent des ancêtres, des Beyna. S'intéresser au patrimoine. Ce n'est pas une histoire d'hier soir. Il y a des grands hommes qui, un jour, avaient vu ce qui se passait. Ils ont dit, il faut faire quelque chose. Comment ça s'est passé? Après la Première Guerre mondiale, 1918, c'est ça, 1918, donc en 1920, il y a eu une grande réunion, en Allemagne, en tout cas européenne. Il y avait un philosophe. Un philosophe, il est toujours à la base d'une réflexion. Il dit, parce que je suis philosophe et je les connais tous. Donc, il y avait un philosophe qui a pris la parole en 1920, fait un forum international. Il a dit que les hommes soient assez fous pour se détruire. C'est leur problème. Mais il ne faut pas détruire ce que les anciens nous ont laissé. Hadaw Smoula Ibn Hitz, c'était en 1920.
Et depuis la pensée Hadith à Leibniz, on a commencé à se dire, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est seulement en 1972 qu'il y a eu la première convention. Et 1971 déjà, ben la convention culturelle, t'as 72. Alors, en 1971, il y a eu une première convention, c'est la convention du patrimoine naturel. Ça s'appelle, entre autres, hein, il y a plusieurs conventions, j'en ai cité l'Anatlata, qui est la convention Ramsar. La convention Ramsar, elle a été ratifiée par l'Algérie. Ce que je vous dis là est très important, c'est-à-dire que légalement, nous sommes d'abord couverts si on veut travailler sur les patrimoines, et nous sommes dans l'obligation, l'Algérie est dans l'obligation de protéger son patrimoine parce qu'elle a ratifié les conventions de l'UNESCO. Donc, Lula en 71, la convention Ramsar, qui consiste à protéger le patrimoine naturel. J'y reviendrai. En 72, elle a ratifié une autre convention qui dit qu'il faut protéger le patrimoine culturel. Mais quand on a commencé à... Bon, le patrimoine naturel, ben, c'est les parcs naturels, les zones humides, qui m'a, par exemple, nous allons à l'Élysée, qui est dans le Bahar, qui est dans le Sahara, ou c'est mon Ihrir, qui est une fille des Geltas. Et donc, les Geltas, il faut les protéger parce qu'elles sont en train de s'évaporer. Le parc juste à côté, enfin, à Alger, le parc de Raya, il est protégé. Il y a un lac, le lac de Raya plutôt. Il y a un lac Tentur-Wergla, il est protégé. Ce sont des lacs, qui ont les glettes, qui ont les lacs, ou qui ont les chutes collinaires. C'est des espaces entre des collines où se rassemble l'eau. Donc, il faut les protéger parce que quand il y a la sécheresse, qui coule le Jafaf, pour répondre un petit peu aux besoins de l'agriculture. Donc, c'est tout ça. Plus les forêts, au lieu de les brûler, il faudrait plutôt les protéger. Plus les parcs nationaux et tout ça. Tout ça, c'est le naturel. Le patrimoine culturel, donc en 1972, jette la convention, t'as la protection du patrimoine culturel. Mais on s'est rendu compte que les gens, ils se sont axés sur les ruines romaines, les anciens forts, les anciens palais et tout ça. Donc, en 2003, déjà avant 2003, dans les années 60, il y a un philosophe, encore un philosophe, n'est-ce pas, africain, un Pateba, qui avait dit, en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qu'on enterre. Donc, quand même, aide les hommes qui sont porteurs d'une connaissance, qui sont porteurs d'un savoir-faire, il faut quand même travailler sur eux et travailler avec eux, mais le même auto. Parce que mais qu'est-ce que tu as dit, mais là, il y a qui est l'île, ou je suis qu'est-ce que vous avez fait à ça, qui est l'île, rana dina minou haja. Donc, li a un dos, mais elle a un dos du le bébé. Il faut rapidement aller les voir et prendre un papier et prendre ce qu'il faut pour récupérer le savoir de ces anciens. En 2003, bon, donc après la réflexion d'un Pateba, en 2003, jette la convention du patrimoine culturel immatériel. Elle a défini le patrimoine en 5 domaines qui m'ont dit l'ouel. Diapo suivante. Là, on a quelques exemples pour vous montrer. D'abord, le patrimoine naturel. La première case, les dernières, les cantifora à gauche. L'Algérie compte 2300 zones humides. Ça, c'est le naturel, c'est pas le culturel. L'Algérie compte donc 2300 zones humides. Qu'il y a une 50 zones ou la 50 points d'eau ou la point humide ou la point fragile qui sont déjà classés sur la liste Ramsar. Les autres, déjà là, il y a le lac des oiseaux Tartara, Fulkala ou Annaba, il y a le chot Chirgita Saïda, il y a le lac de Rigaya, il y a le Ihrir Elizi qui m'a dit. Donc, il y a 50 en tout. Pourquoi on n'a pas classé le reste? Parce que le classement dans le naturel et dans le culturel, ce sont des opérations très, très difficiles. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne classe pas, on ne fait rien. On peut travailler sans classement.
Parce que le classement, il a ses exigences à lui. Il faut répondre aux exigences de l'UNESCO ou là de Ramsar ou là. Mais nous, à notre niveau, on peut protéger. On peut protéger nos forêts, on peut protéger nos lacs, on peut protéger nos points d'eau, on peut protéger beaucoup de choses. Ensuite, qu'il y a des espaces, cette diapo suivante, qu'il y a les espaces culturels que nous voyons ici, qui m'a dit comme à droite, c'est le tombeau de Massinissa, les maisons, les vieilles maisons de Al-Qsba, le fort le fort Al-Muqrani, qui existe depuis très longtemps. Mais il y a énormément de choses que nous pouvons aussi protéger. Nous avons jusqu'à présent, je crois que nous sommes à 10 éléments classés. Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 éléments. Il y a le Jamila, le Tipaza. Nous avons aussi un autre classement, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai juste une parenthèse. La ville de Gardaïa, la ville de Benizgen, elle est classée, mais elle est classée depuis très longtemps. Elle est classée comme patrimoine urbain. Mais ça, c'est quelque chose à part. Ça ne rentre pas là-dedans, parce que Hada, c'est un patrimoine où on ne vit pas. Le fort, les ruines de Tipaza et tout, mais la ville de Gardaïa, c'est une ville classée où on vit encore. C'est un patrimoine urbain où la vie continue et malgré ça, on a pu le classer. Mais ça, c'est un travail très, très compliqué. Il faut une implication de la société civile à fond. Parce que les gens qui vivent à l'intérieur, ils vivent avec l'idée, mais ils sont dans un patrimoine et ils continuent de le protéger. Et ça, c'est très, très compliqué. La diapo suivante. Donc, quelques exemples du patrimoine immatériel. On voit ici quelqu'un qui fabrique les instruments de musique. Il fabrique l'instrument de musique, c'est quoi? Qui m'appelle Jalal Din Rumi. C'est un morceau de bois, un morceau de cuir sec, donc un instrument de musique, c'est extraordinaire. C'est un peu de bois et un peu de djelda. Mais on entend des choses extraordinaires, merveilleuses et émerveillantes. Je ne sais pas si le mot existe, mais sinon je l'invente. Donc, fabriquer un instrument de musique, c'est du patrimoine culturel immatériel. Parce que si nous n'avons plus celui qui fabrique, on aura toutes les forêts du monde, on n'aura jamais Oud. Ou la mandol ou la hajahra. La même chose, ta'am, c'est du matériel, c'est du blé. D'ailleurs, c'est de l'agriculture, c'est du naturel. Le djufna, c'est du matériel parce que c'est de l'argile. Bsahli ta'alf tiftel. Fil djufna, c'est une femme. Ça peut être un homme, mais généralement, c'est une femme. Et donc, ça, c'est du patrimoine immatériel. La même chose, le filah hatanit, vous me direz, c'est de l'agriculture, donc c'est naturel. Mais le filah, il est naturel. Bon, il a un corps. Mais c'est un savoir-faire. Donc, ça rentre dans le patrimoine culturel immatériel. Là, c'est ce que je suis en train de vous donner des exemples, juste pour savoir comment identifier le patrimoine culturel immatériel par rapport au patrimoine naturel ou au patrimoine culturel matériel. C'est ce qui sort de la bouche des hommes et des femmes, ou là, ce qui vient des mains des hommes et des femmes, qui est fabriqué par les hommes et les femmes, c'est cela qui est le patrimoine immatériel. Souvent, diapo suivante, souvent on trouve des interactions. C'est difficile de séparer entre le patrimoine matériel, l'immatériel, le culturel, le naturel, parce que quand on vit quelque part, on ne peut pas dire que c'est culturel, on ne peut pas dire que naturel, on ne peut pas dire que matériel ou immatériel. Non, on vit. C'est les experts qui peuvent séparer. Par exemple, quand on regarde de loin, c'est une croix. Parce que c'est des retenues collines. Ce n'est pas des retenues, c'est des chutes. Entre les montagnes, comme on le voit dans la photo du milieu. Et donc, les niveaux le plus bas, c'est là où reste encore un peu d'eau. Le croise.
Et à l'intérieur, il y a des plantes qui existent depuis des millénaires. Il y a aussi des poissons qui existent depuis des millénaires. Et des poissons, on ne peut plus les déplacer parce qu'entre-temps, il y a eu la série de réchauffement de la planète. Le poisson a qui s'est adapté à l'eau chaude, l'eau tiède, on va dire. Donc, je ne sais pas si on a fait le bhar. Ou là, on a fait le fraya ou la fiourgla ou là. Mais il faut qu'on le protège. Pour le protéger, il faut quand même faire des choses. Enfin, les gens de la science naturelle, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, il faut savoir comment le protéger. Mais parallèlement, il y a l'endroit là, qui est déjà en Chine, la photo en bas, la photo en bas à droite. Bon, là, il y a des femmes et des enfants. Et derrière, il y a Ikebran. Ikebran, c'est les huttes, 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 l'arabie, je ne sais pas ce que parce que je suis allé les branches de palmiers. Puis, bon, ils sont ouverts. Un arrêt de main, à Kabar ou le Zéliba, trois de Mftouha. Vous m'avez dit, il y a 6 jours, je suis allé à la place à 6 jours. Mais si tu vas là-bas, et que maram jtma parce que rahou lil wad louin ki tkoun sakhana rahou lil wad باش les animaux les jmal ma ymoutouch mais yhoussou al lma hna ki njouzou d'ailleurs djizna lqina les hut hadou lqinaoum farghin btna tma ma yghalqouch le bab kima hna ghalq le bab ou dir le bab ta tal hdid et tout non c'est des hut ki djouhom yaichou fihom ki rahouhom yqadou mftouhin باش hakdak ki djouz wahed f le sahara ou les mibet, au moins il calouine bête, parce que Sahara, c'est vrai, Sahara, c'est ensorcelant, c'est un paradis, mais c'est aussi un enfer, parce qu'il y a des animaux, déjà il fait très très chaud dans la journée, si c'est en été, ça peut atteindre 50 degrés, donc les mibet, ou une très belle telle chia, parce qu'il est chaud. Ensuite, il y a des animaux que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas très gentils avec les humains, donc il faut quand même se protéger, et ça, le fait que Zera Ibrahim Ftouhin, ça permet, ça aide. Où ça contribue à aider les gens qui traversent le désert. Par exemple, Sahara. Madame, oui. Je vous interromps juste parce que c'est bientôt l'heure de la pause. D'accord. Et juste avant la pause, on voulait vous parler de quelque chose. Mm-hmm. C'est une initiative qu'on a prise, HNAF, le groupe. On a sorti une première version d'un livre qui s'appelle « L'Algérie en 54 objets ». On a pris des objets qui étaient purement algériens. Mm-hmm. On a essayé de sortir cette version. On l'a fait entre nous. Et après, maintenant, on veut faire une version avec la participation de beaucoup plus d'Algériens. Mm-hmm. Et on voulait avoir un petit peu votre avis. Je ne sais pas si on a une photo qu'on peut montrer. On a fait même une émission, un live sur ce mm-hmm. sujet. L'Algérie en 54 objets. Région dans une photo, je voulais juste vous la montrer. D'accord. Si je ne sais pas si elle est dispo. Sinon, on va la repasser après la pause. D'accord. Mais allez, on va la repasser après la pause. Ok. Et vous nous donnerez un petit peu votre okay, avis sur plaisir. La question. Ouais. D'accord, avec plaisir. Je crois qu'on va enchaîner sur la pause d'Okacher, je crois. Bon. مساء الخير خاوتي خواتاتي بونسوار مدام يعطيك الصحه على هاد لا بريزونطاسيون كي تري تري باسيونونت دونك اون في لا بوز تاع هوب نيوز ديالنا اي بور ريستي دون لو سوجي توجور اون فو بريزونط نوتر سيت اي اون بارتيكولي لا باج دو نوتر سيت هيستوار اي باتريمون اون فو انفيت على كي نقولو باركورير. On publie beaucoup d'articles dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Comme vous pouvez voir, Naya, l'article sur Assia Djebbar, 7 ans après sa disparition, Assia Djebbar continue à susciter l'admiration des lecteurs. 8 anecdotes et choses à savoir d'Oran. À Djendel, une plongée dans l'Algérie qui travaille.
l'Algérie, le pays des Chaouia, de Nasser Abloula, voyage au cœur des temps. Ainsi, en fait, on publie aussi de l'histoire, hein, Ratonnade d'Alger, 1956, une histoire de racisme colonial de Sylvie Thénault, ainsi de suite, le Garanteta, les Tarfoha, la femme andalouse, et le progrès, ainsi de suite. Donc, comme d'habitude, on vous invite à visiter notre site, à contribuer aussi en utilisant la rubrique à des contribués. Et c'est un site d'une Algérie algérienne pour tous les patriotes. Vous êtes les bienvenus à participer sur ce site-là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très divers comme contenu. Vraiment, c'est une encyclopédie qu'on est arrivé à rassembler ici. Et pour revenir à ce que disait Khoya Adel, Madame Galez, nous avons publié, bon, le livre, on va le faire sortir, Inch'Allah, très prochainement. C'est un livre où on a récolté, bon, on l'a publié, on l'a annoncé à l'occasion de la fête de la Révolution, en 1er novembre 1954, et on l'a intitulé « L'histoire de l'Algérie en 54 objets ». Et on a pris 54 objets depuis la préhistoire qui appartiennent à la terre d'Algérie, et on a raconté leur histoire. Donc, la personne qui va lire le livre à travers ces objets-là, elle va parcourir toute l'histoire de l'Algérie. Bon, on a fait 54 objets, mais c'est un livre évolutif. Donc, on peut arriver à 62, après peut-être à 132. On va choisir des dates symboliques et on se fera un plaisir de le partager avec vous pour une lecture et une critique. Donc voilà pour la rubrique Hope News. Je vous laisse continuer le débat. Et si vous pouvez nous donner votre avis sur un travail comme je viens de décrire, est-ce qu'il existe des travaux comme ça? Le livre, il a été inspiré d'un livre du musée de Londres de l'histoire qui raconte l'histoire du monde en 100 objets. Donc là, on s'est inspiré de ça pour raconter l'histoire de l'Algérie en 54 objets. Voilà, madame, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. C'est louable comme initiative. Pour que je puisse donner mon avis, il faudrait d'abord que je lise le livre. Mais c'est déjà un très, très bon... Enfin, c'est un très bon travail. Ce n'est pas seulement un bon début, c'est un très bon travail. 54 pour le départ. Et puis, on peut faire aussi 62, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Ça ressemble un petit peu à un dictionnaire, mais un dictionnaire de thématiques. Donc, les dictionnaires de thématiques, il y en a quelques-uns. Mais généralement, c'est des dictionnaires qui sont orientés. Par exemple, vous avez un dictionnaire thématique sur l'histoire. Hassan El-Maroun avait fait un livre, ça fait quelques années, qui était aussi un dictionnaire de thématiques sur des personnes. Comment il s'appelle, site, j'ai oublié son nom, ça me reviendra, qui fait aussi beaucoup de livres sur des thèmes historiques. Nous avons aussi un professeur qui se trouve du côté de Blida qui s'appelle Abdelhamid Borayo, qui a aussi beaucoup de recherches sur des thématiques culturelles. Donc, il existe effectivement des livres comme ça. Maintenant, dans votre livre, je pense que c'est des thèmes qui touche à l'Algérie, donc il doit y avoir de la culture, de l'histoire, de la nature et tout ça. C'est aussi une façon de faire. Elle est tout aussi intéressante. Donc, je vous encourage beaucoup et j'espère qu'on le verra bientôt sur le net. Merci. Et on relance l'appel, ceux qui veulent participer avec des idées d'objets algériens qui ont une histoire, qui sont sympathiques à découvrir ou à redécouvrir, ben, contactez-nous sur le site, voilà. Est-ce que vous avez un article sur Inayer? On en a plein sur le site. Dans les 54 objets. Non, on a pris des objets. On a pris des objets. On a pris des objets. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, on a pris un bijou de Bniyini. Un petit porte-coran. On montre l'objet, mais on raconte toute l'histoire de la joaillerie de Bniyini.
D'accord. Donc, c'est raconter l'histoire de l'Algérie à travers certains objets. Ou pas, un autre exemple, par exemple, on a pris la parure de Tinhinan, on a raconté l'histoire de Tinhinan. Donc, c'est à travers l'objet, on raconte une histoire. D'accord, j'ai compris. Voilà. D'accord. Donc, je vous laisse continuer sur le sujet. OK. Donc, on va passer à la page suivante. Je continue dans mes exemples. Là, j'ai pris en considération juste le qasba pour parler de l'interaction entre le matériel et l'immatériel, le matériel et le naturel. Déjà, le qasba, quand on la voit, c'est le triangle avec une jetée dans la mer. Ça, c'est le côté naturel. À l'intérieur du qasba, vous savez que quand Kibdawi Hafro, la station de métro, les Fsaht Shuhada, le Kawen site archéologique. Le Kawen site archéologique, c'est le Moyen-Âge. Ou Kizadou Hfrochouya, le Kawtehto, une autre construction de l'Antiquité. Donc, un site cache un autre. C'est des constructions superposées. Le Kaw même Bir, Mtahou Fih, des objets, ou la Mtahoutain, la Chafou, la Tahou par hasard, la Tahoum. Parce que ça, c'est aussi des archéologues qui vont vous le dire, des objets de l'Antiquité. Et la particularité de cette partie de la mer, qui est maintenant le Qasba, mais c'est tout à fait en bas, Qasba al-Tahtaniya, c'est que c'était un port. Et dans un port, vous allez trouver pas seulement les choses qui ont été fabriquées chez nous, il y a aussi des choses qui viennent de l'extérieur. Parce que les ports, ils ont quand même une histoire extraordinaire. Ça permet à des gens de toute la Méditerranée de se rencontrer. Vous savez qu'à Alger, le 17e, 18e siècle, qu'on y travaille toutes les devises. Dollar, le franc, les devises, parce que avec l'euro. Tout le monde a la devise. C'est-à-dire qu'on y a les devises. Parce que quand on y a les gens de l'Europe ou les pays africains, ils ont le Zahir. Les gens des pays africains, ils ont le Zahir. L'Europe. Ou ils ont le Zahir. C'est des convois. Parce que Bouabar. Il s'installe à Alger en attendant le bateau. Qui dit le babour, ils vendent leurs affaires ou ils chourent le babour pour qu'ils donnent leur pays dans le Sahara ou dans l'Afrique. Donc c'était vraiment une plaque tournante très très riche. Les gens étaient riches. Il y avait énormément d'hôtels dans un petit espace, dans un espace aussi petit. Il y avait peut-être une centaine d'hôtels ou l'acta. Autant de restaurants, autant de magasins et tout ça. Voilà, parce que c'était une plaque tournante commerciale. Depuis l'Antiquité, à nos jours pratiquement, même là, on a déplacé la capitale un peu plus loin à peine, mais le Qasba, donc historiquement, elle a une valeur, naturellement, elle a une valeur puisque c'est un port, culturellement, elle est fadée la Zéria, le Hajj, même Kimagrouabi n'est pas de la Qasba, le Chamaneuf, ça il est très proche des gens de la Casbah. C'est un lieu où on trouve tous les bribes ou tous les aspects de la culture. J'essaie de trouver, non, je crois que je ne l'ai pas ici la page, mais j'avais cité quelque part tout ce qu'il y avait comme culture. C'est bizarre, elle n'est pas dans cette diapo, elle est donc dans une autre diapo. Mais qu'est-ce un domaine de la culture du patrimoine, un domaine de l'UNESCO, que nous ne retrouvons pas forcément. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un endroit qui regroupe tous les domaines du patrimoine. Ok, on passe, mais on passe vite parce que là, je vais me répéter, parce que comme j'étais en train de parler, ou alors Ndjouzouha, justement, pour revenir de façon très. J'ai donné juste des exemples. Non, on passe la suivante. Donc, les cinq domaines du patrimoine. Le premier domaine, c'est tradition et expression orale, y compris la langue comme vecteur du PCI. Naya, je vous ai donné un exemple, un poème que nous connaissons tous, qui a été chanté, Zoni Yisrar, fi Arm Lokar, Makhlet Rir Dar Adet, Kivash Adet, Msemia. En gros, c'est la chanson de l'Irnaha ou Smoller, Khalifi Ahmed, à la Hiziya, qui était un poème qui est rentré dans le patrimoine parce qu'il a été chanté de génération en génération.
Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est Khalifa Ahmed qui est le patrimoine? Khalifa Ahmed, c'est un vecteur. Il a transmis. Celui qui a produit le poème, il a produit un poème. Il y a énormément de gens dans chaque génération qui ont des centaines de poètes. Mais qui ont des poèmes, il parle de Idrouf Torat, ou qui ont des poèmes, il parle de Ftabet. Il fait des études sur la littérature et tout, mais ils ne sont pas rentrés dans l'histoire du patrimoine parce qu'ils n'ont pas été transportés de génération en génération oralement. Donc, ce qui est transporté oralement de génération en génération, c'est le patrimoine oral. Deuxième point, qui m'a dit comment Béla, les arts du spectacle, la photo d'Ayred. Ayred, c'est un art du spectacle parce que nous avons un spectacle que nous attendons chaque année. Les gens, ils se préparent, mais pour faire quelque chose qui dépend du patrimoine. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut faire que ce qui a été fait depuis des générations. Et ça, c'est un autre point. On a plusieurs festivals dans la vie. Je vois par exemple le festival du Brésil, mais le carnaval du Brésil, carnaval de Rio, c'est gigantesque. Mais le carnaval de Rio, il ne s'est pas fait en un jour. Il s'est fait à travers des milliers d'années. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui arrête le carnaval de Rio parce que ça y est, il est installé dans l'histoire de l'humanité et ce n'est plus un patrimoine local, c'est un patrimoine humain parce qu'ils ont, qui m'appelle en économie ou là en management, ils ont pu le vendre. En fait, ils croient tellement à leur patrimoine que le monde entier croit avec eux. Donc, quand on croit vraiment à son patrimoine, non seulement on peut le transmettre au monde entier, en plus de ça, il est une source d'économie. Je donne un autre exemple, Kim al-Hajj, Kim al-Islam en général. Tellement les gens, les anciens, y croyaient que l'islam est arrivé dans le monde entier comme civilisation et non pas comme pratique, ce n'est pas comme rituel, comme civilisation. Il y a eu des philosophes, il y a eu des scientifiques. Il y a eu... Comment est-ce que la pensée grecque est passée à l'humanité ? Les Grecs, là où ils pensaient, là où ils pensaient extraordinaire, les Grecs. Ils ont laissé, les Grecs, ils ont touché à tous les sujets de la pensée, de la médecine, de la philosophie, de l'économie, bien sûr, au sens ancien. Tous les sujets, ils ont été touchés par les Grecs. Mais ils ont écrit en grec. Les Européens, à l'origine, les temps modernes, juste après le Moyen-Âge, connaissaient pas le grec. Menin d'où la pensée grecque? D'où hamel les livres arabes? C'est les Arabes qui connaissaient le grec. Hamel les qraou l'Yunaniya ou le Latiniya ou tarjmoul kitabet ou bien les Européens d'où la pensée. Quand j'ai été à la Sorbonne au début des années 80, il y avait encore des profs qui ne qraou l'arabia. Rien les années 80. Qui ne qraou justement la pensée. Comment la pensée grecque est passée de la Grèce antique à l'Europe moderne par le biais de la pensée arabe. Had le transcendant, la pensée contemporaine, elle a fait un brouillard aller. Mais la réalité, c'est ça. Une impasse. Ils ont fait l'impasse dessus, alors que la pensée, la civilisation musulmane, la civilisation entière d'islam, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas musulmans, mais la dominante, c'était l'islam. Donc, c'est la civilisation entière d'islam. C'est elle qui a transporté la pensée, les sciences, la philosophie, l'astronomie, l'astrologie, tout ça. C'est elle qui l'a transmise à la modernité. Pourquoi ? Parce qu'on croyait à la science d'abord, et on croyait en nous. Mais tant que nous importons de l'extérieur, et tout ce que nous importons nous semble beau, et tout ce que nous avons, on le sous-estime parce que on ne peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas renoué avec nous-mêmes, avec l'amour de nous-mêmes et l'amour de nos ancêtres. Donc ça, c'est très important. Troisième élément, pratique sociale, rite et festivité. Pratique sociale, rite et festivité, c'est tout ce que nous faisons dans la société. L'ars, zouedj, l'hara, Dfina, Dfinatin, c'est une pratique sociale. Je connais les rendez-vous de Dfina, mais de Shkiltiyab. Il y a lequel
يقول لك ما عندوش ما يديرش استاذ ما يوكلش بصح يدير شويه طعام ويديه للجامع ولا يديه للجبانه ولا يديه ان شونتيل وين يخدموا الناس تاع المترو ولا طلاب يكون جايز يعطي له صدقه مي ثلاثيام سارس دونك لا براتيك لي براتيك سوسيال سون لي ميم شي تو لي الجيريان ابري يا لي كونديسيون سوسيال يا لي كونديسيون ايكونوميك كي شانج دون فامي ا لوتر مي لي براتيك سي توجور لي ميم. Et ça, c'est les pratiques sociales, les rites et festivités, toutes les fêtes qui la photo de la Nanchoufouha, c'est Rakb Sid Shir, j'y reviendrai parce qu'il est classé. Rakb Sid Shir, c'est une fantasia. Il a été classé en 2013, mais je vais y revenir. Donc, comme les fantasias, l'indirohum, ça fait partie des festivités. كيفاش نوجدوا العيد تاعنا كيما قلت لكم 27 تاع رمضان كيقرب العيد دخلتنا ديرايلي سوار سا سي اون فيستيفيتي اي اون ميم طون سي ان ريت باسكو طفل با حنا ولادنا كامل مختنين مي وقتاش نختنوه نربطوه مع العيد 3 جو قبل العيد دونك اون في اون اسوسي ان ريت اون فيستيفيتي بور دوبلي لا جوا اي اون لو في توس دو لا ميم فاسون ما كاش واحد يقول لك استنى في العشرة بيتات بصح يقول لك فرجب نخدم وليدي اسكو واحد يقولها سي فري الجب سي تي موا كوم لي زوتر موا مي سي با اونتري لو ريت ني با نا با ايتي رولي لرجب ولا الربيع الاول ولا الربيع الثاني سي رولي لو اسمو رمضان سي 27 جو باسكو ليله القدر ولا سي رولي العيد الكبير ولا كان اللي كانوا بكري يديروها في الصيف هذيك سي اون اوتر ريزون هذيك مي جينيرالمون كونت اون فو رولي ان ريت ا اون فيستيفيتي اون بران دي مومون فار كي سون دي مومون دو جوا ليله القدر تجيب لك تحقق لك الاحلام اي دونك نختن وليدي باسكو مون ريف ا موا سي كو يكبر ويرجع راجل اكسيتيرا دونك فو فوايي كومون اون بو اسوسيي دو زيفينمون بور اغرانديغ نو جوا اي سا تو لي الجيريان لو فون دو لا ميم فاسون اوتر باج هذا سي j'aime bien cette photo. Je l'ai prise d'internet, hein. Mais je l'aime bien parce que personne ne sait qu'est-ce qu'on va faire là-haut. Ça s'appelle Azoron Dhor. C'est en Kabylie. Ça se passe en plein mois d'août. Le premier vendredi du mois, le troisième vendredi, trois semaines. Mois d'août, hein, 40 degrés ou la kalbird, 40 degrés. Où ils tirent, ils habitent comme les voitures qui prennent le tarta. Oui, ça c'est vu de loin, hein. Donc ça fait quand même une bonne trotte à marcher. باش يطلعوا لهاد القطره هذه الفوقانيه, النقطه الفوقانيه pour faire quoi? Un monde fou, ziyara extraordinaire, une fraternité magnifique, des échanges, الناس يجيبوا الجفون تاع الطعام وقاعد كيصدقوا تما. Alors, dites-moi pourquoi on choisit le plein mois d'août? Pour faire une ziyara dans un endroit aussi brut, aussi rustique, aussi agressif, il y a une question nature. Mais c'est l'image, c'est une image qui montre que la foi en un endroit nous fait oublier la souffrance qui nous y mène. Et ça, c'est quelque chose de, je trouve cette image extraordinaire. Nous avons aussi d'autres ziarats qui sont extraordinaires, qui m'a fait Timimoun, Kensbourg, qui est magnifique. Il y a une ziarat à Kensbourg, ou Sbourg Idor. Là, c'est toujours mois d'août. Sbourg, ça peut tomber aussi au mois d'août, parce que c'est l'année lunaire. Vu que l'année lunaire d'or, il n'y a plus le 13e mois, donc l'année lunaire, c'est toujours de 12 jours norsan. Donc, il y a des moments, lui, c'est bon, il dit fin juin ou la fin juillet ou la fin août. Déjà, fin juin, il fait très chaud. Mais quand même, il y a un monde fou et ça, c'est extraordinaire. Donc ça, ce sont des pratiques liées à la nature et à l'univers. On va dans des endroits naturels qui m'atteint Magoraya. Les gens, ils auront eu Magoraya. Ça, c'est pour les endroits que nous connaissons. Mais il y a aussi d'autres endroits que nous connaissons moins. Il y a une place que j'ai trouvée qui est magnifique aussi. Bayezidchir. Enfin, à côté de Bayid. Ça s'appelle, Fenama. Ça s'appelle le Lemrnia. Avec le Lemrnia, les Oradrnia. Donc, je suis arrivée là-bas, comme je n'ai jamais possédé beaucoup d'argent, j'aurais dû écouter donner une sorte de Lemrnia. Il faisait beau, hein. L'endemain, il y avait un brouillard au Chocolcom. C'était impossible. On ne voyait pas devant nous.
Comme ça y est. Donc, l'année dernière, a décidé que je ne serais jamais riche. Je ne suis pas montée. Ce n'était pas possible de monter avec trop de brouillard. Donc, c'est l'année dernière qui a décidé. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont, dans notre culture, qui sont extraordinaires, qui diffèrent d'un endroit à l'autre. L'année dernière, il arrive plus tard. L'année dernière, il arrive plus tard. L'année dernière, il arrive plus tard. Mais c'est toujours dans la même, dans le même esprit, dans la même philosophie. C'est croire à nos anciens depuis des temps immémoriaux qui ont construit quelque chose qui s'appelle notre culture, qui s'appelle notre patrimoine. Et ça, c'est magnifique. Dernier point, donc, tu as les 5 domaines, bien entendu, sinon la diapo, ce sont les savoir-faire. Qui m'encontre le com, les savoir-faire, c'est le gros paquet du patrimoine. Qu'est-ce que c'est un savoir-faire? Faire une robe constantinoise, vous me direz, mejbod, c'est du fil, donc c'est matériel. Le velours, c'est du tissu, donc c'est du matériel. Mishkoun, l'itrdel tchdem, je dis bien l'itrdel au féminin, l'itrdel tchdem du betarsentena. C'est un artiste, une artiste. L'artisanat de du betarsentena, kerako, l'melhfa, le shiddat al-tlimsan, enfin shiddat al-gharb, tout ça, ce sont des artistes. Il ne faut pas que ce patrimoine disparaisse parce que c'est. Il y avait une femme qui avait fait participer à une exposition, je crois, en Belgique ou là, en Suisse. Et puis, il y a une Suissesse qui est venue, chef de la côte à Zahir, qui a dit, mais quelle est la machine qui fait ça? Riyata, qui a dit, la machine, c'est moi. Parce que, elle n'y croyait pas. Elle a dit, de tous les côtés, parce que généralement, qui a dit, non, tout ça, mais donc on ne sait pas où ça commence et où ça finit. Et ça, c'est de l'art. Là, il y a aussi pour le côté masculin. Malheureusement, le côté masculin, il est beaucoup moins protégé. Les hommes, vous avez encore du travail à faire parce que si le kalako a été protégé, le kalako, c'est assez récent, mais le kalako, c'est le petit frère qui a grandi. Il est plus grand que sa grande sœur qui est plus petite que lui de taille, c'est le descendant d'Al-Lila. Mais le Jabadouli n'existe plus, ou presque plus. Jabador ou le Jabadouli, avec le blouson, le maharaj, le psoharjel, l'Aras, il n'existe plus. Sarwel Tka, Sarwel Lubiatanit, qui est le chanteur, il n'existe presque plus. On le trouve encore chez quelques paysans de l'Etrbaïl, on le trouve aussi Ferardaya. Le Burnous, il a suivi la même voie. Alors qu'à un certain temps, mais qu'est-ce que Zahiri Mandush Bordnus? Fais Sahara l'oubri ou Andina Tassouf? Aujourd'hui, c'est l'exception de l'exception, les Zouj Bordnus. Alors pour le porter tous les jours, c'est de l'ordre du rêve. Mais l'Hfa aussi, elle a disparu. L'Hfa, on trouve encore quelques vieilles en Kabylie, un peu plus. And Shawiya, Betna ou Galma ou Sahara, Soumila et tout ça. On trouve quand même Tisrnest qui est une forme de melhfa, elle est portée un petit peu autrement, mais elle est quand même, c'est quand même un morceau de tissu qui n'est pas cousu, parce qu'il y a, en plus il y a des rites, il y a des mythes derrière tout ça, il y a des légendes, il n'y a pas que la tenue wahedha, chaque tenue a une histoire taha. Le melhfa, nous on dit les aljaiz huma li huma li ylbsou le melhfat les melhaf. Voilà. Mais en réalité, c'est une tenue de princesse, de jeune princesse. Elle est le asl kamel quand une princesse a besoin de babaha. Et donc, elle a tout. Elle ne sait pas quoi demander. Sur quels critères choisir un prince? Qatlu jibli li qadam naqbel li jibli Europa ma khaytat ma khaytouhach li bari. Taqndort w khidn tisgnatin. Il fallait courir pour trouver taqndort w khidn tisgnatin. Et puis il est parti, il y a un jeune effronté, sûrement Zahiri. Jab al-Haropa, machim khayta bil-libari. Hadi ki el melhfa. Donc ce que nous retenons, d'abord que le melhfa. Il ne peut être qu'Algérien, Zahiri. Bien sûr, il ne peut pas être lui-même. Parce que le melhfa, elle existait beaucoup en Kabylie. Où les Kounchaoui? C'est là-bas où elle est protégée. En tout cas, c'est un berbère. Parce que ça remonte à très très loin. Ouais. Donc. C'est une robe qui n'est pas cousue, mais ce n'est pas le plus important, ça c'est une réalité. Ce qui est très important, c'est que c'est une princesse et elle est jeune. Donc c'est une robe
de princesse et qui est portée par les jeunes et non pas par les vieilles. Après, c'est devenu une robe de Madame Tout-le-Monde, plus portée par les vieilles que par les jeunes. Ça, c'est venu par la suite. Bref, donc Heidi, il faut quand même que j'avance un petit peu. Hein. Pour dire que, de toute façon, les métiers, c'est tous du patrimoine. Les métiers locaux, les métiers de l'artisanat, c'est tous du patrimoine. Avant de conclure, enfin, je suis encore loin, mais je vais essayer de faire un peu plus vite. Je voulais vous donner un aperçu sur les éléments que l'Algérie a classés. Avant de parler des éléments classés, je voudrais quand même vous dire que le classement, ce n'est pas le plus important. C'est important le classement, je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas le plus important, parce qu'il y a des conditions. J'ai parlé tout à l'heure du classement des lieux, des endroits naturels, qu'il y a des critères pour classer, mais autre que classer, on peut quand même protéger notre nature. La même chose concernant le patrimoine culturel immatériel. C'est bien de classer, mais autre que le classement, on peut faire un travail sur notre propre patrimoine. L'Algérie, elle a classé en tout 8 éléments, je crois. On va les passer rapidement. L'élément qu'on a classé, c'est l'ahlil. Alors l'ahlil, pour moi, c'est le meilleur. Parce que l'ahlil, quand on a commencé à travailler dessus, déjà c'était une découverte de Mouloud Ma'amri. En 1974, quand Ma'amri est parti avec une délégation, il n'y avait pas encore de route vers le désert. Hein. En ça, pour les infrastructures, l'Algérie, elle a fait un travail magnifique, c'est qu'elle a fait des routes et que les gens ont commencé à aller, nous disons aujourd'hui, d'une wilaya à l'autre, mais on peut dire d'un monde à l'autre. Parce que quand nous sommes à la Sahara, nous sommes et je vous assure, tu as fait un camion, tu as fait avec la Hadid, ou le camion, pour la Sahara, 2000 km, ça prend plusieurs jours. Arrivé à Sherwin, qui se trouve actuellement dans la wilaya de Timimoun, ça fait à peine une année, c'était encore dans la wilaya de Adara, parce que Timimoun, c'est une nouvelle wilaya. Donc, Sherwin, il trouve des gens qui chantent dans une langue. Enfin, déjà, il trouve des gens qui parlent une langue dont il comprenait déjà une partie. Donc, il a fait le lien très fort entre le Zénith et le Kabyle. Et puis, il a trouvé des gens qui chantaient un chant très particulier. Hedek le chant, c'est sur ce chant qu'il va travailler, Rouaoul Jma'atero. Et c'est 10 ans plus tard, là en 1974, il n'y avait pas encore l'UNESCO, donc c'est 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, Bach jette la convention. Qui jette la convention? Ils ont classé l'Ahlil. À l'époque, on parlait seulement de chef-d'œuvre de l'humanité, qui peut les éléments. De oui, dire les conditions, tu peux classer sur la liste représentative ou sur la liste d'urgence, de sauvegarde urgente. Ou qu'un tenit classé un élément seul ou la classer sur des listes communes. Tout ça, c'est un jargon de l'UNESCO, mais ça va apparaître avec les autres éléments. Donc, l'Ahlil, c'est le premier. Si vous voulez regarder le dossier l'Ahlil, il est sur le site de l'UNESCO. Sinon, vous mettez Ahlil pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'Ahlil. Des chants et tout. L'Ahlil aussi, il a ses propres mythes. Il a des histoires extraordinaires qui y sont rattachées. Donc, quand on connaît l'Ahlil, il faut aussi s'interroger sur les mythes, la mythologie qui le protège et qui le véhicule. Autre élément, en 2012, comme il a été classé en 2005, et puis il est passé à la liste représentative en 2008 lorsque la liste est sortie. En 2012, on a classé Shdat Atlemsen. En réalité, on n'a pas classé que Shda. Là, je voudrais vraiment m'arrêter sur ça. On a classé toute la tenue Talarosa. La tenue Talarosa, où Kain le blouse. Blouza qui est en dessous de la veste. À l'intérieur, il y a quelque chose que dans toute la région ouest, on appelle blouza, c'est-à-dire la robe. Mais le blouza ta'awaran, elle est classée dans la Shiddat Atlimsen. Parce que c'est l'hérite et les savoirs artisanaux associés à la tradition du costume nuptial de Tlemcen. On a classé le blouza. On a classé le khidma ta'al-mjboud. On a classé le khidmat al-msloul, c'est-à-dire le tissu de soie fait main.
quand vous voyez le film, vous allez sur le site de l'UNESCO ou là même sur le site de l'UNESCO, vous trouvez le film Tashda, vous allez voir quels sont les éléments qui sont à l'intérieur. À un certain moment, il y a quelqu'un qui fabrique du tissu à la main, du tissu en soie. Ensuite, plus que le tissu, il est dans le film. Donc, il est aussi concerné, c'est un patrimoine algérien qui a sa valeur, il est dans le film Tashda. Ensuite, il y a les bijoux, tous les bijoux algériens, tal johar ou tal dhab. Cinq rangées des espèces de colliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça me reviendra, des espèces de colliers qui ressemblent un petit peu le collier que mettent les femmes d'Alger. Donc les motabéens, ils vont nous le proposer. Voilà, commentaires. Ils vont le dire. Moi, je suis incompétent, désolé. Voilà, merci Johnny Smith. Voilà, Johnny Smith. Il y a des colliers qui ressemblent, ce n'est pas tout à fait Khetaroh, mais qui ressemblent à Khetaroh. Il y a cinq rangées qu'elle met sur le con hadak lidiru fouq rasha. Donc il y a tout ça qui est dans la tenue, ce n'est pas qu'un bijou qu'on a classé, on a classé tout le rituel. Ensuite il y a le rituel, le maquillage, pourquoi ce maquillage et pas un autre, il est expliqué dans le film, le passage, la sortie de Darbebaha, Darajilha, ça aussi c'est classé. Donc un classement, c'est un lourd travail. Quand on fait un dossier, on y passe des années. On passe 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qui m'a raconté comme le Osmond de Halil, on y a quand même placé quelques dizaines d'années. Ensuite, quand on dépose un dossier par an ou le dossier Hedek. Au mieux, s'il n'y a pas de faute du tout dans le dossier, parce que c'est le dossier qui est étudié, ce n'est pas l'élément. L'UNESCO ne connaît pas l'élément. C'est le dossier qui est étudié. Où l'UNESCO ne vous demande pas est-ce que cet élément vous appartient depuis l'Antiquité ou là depuis Massinissa ou là depuis le Néolithique. On s'en fout. Ce que demande l'UNESCO, est-ce que la population actuellement veut cet élément? Est-ce que la population se l'approprie? Est-ce que la population le revendique? Est-ce que vous avez fait, et ça c'est très très important, est-ce que vous avez fait un plan de sauvegarde? Il faut le décliner, le plan de sauvegarde. Et est-ce que vous avez pensé à le protéger contre un éventuel une éventuelle surenchère après le classement, parce qu'après le classement ça devient la mode, on va dire déjà quand on a classé le, parce que ça va venir, quand on a classé la fantasia tal Beyetzichir, l'année elle regroupait à peu près 300 cavaliers, et je vous assure que la fantasia tal Sitchir, c'est une vraie école de l'art équestre, il y a tout dedans. Et bien, l'année suivante, il y avait 600 cavaliers. Donc, il fallait recevoir tout ça. Et puis, il fallait dépasser la mode pour que le rite reste tel qu'il est. Donc, c'est tout ça qu'il y a dans le dossier. Ce n'est pas seulement « Terri, Tadjuddé » ou « Tadjuddé ». Si toi, tu ne le reconnais pas, ce n'est plus le tien. C'est bon et c'est comme ça. Donc, le patrimoine, c'est ce que nous faisons actuellement. Il y a encore des porteurs actuels, il y a des détenteurs actuels et le reste de la communauté se l'approprie et se le revendique. C'est très important. Si on ne le revendique pas, ça ne marche pas. Si on ne se l'approprie pas, parce qu'on le voit à la télé, parce qu'on c'est ça le vrai. Et on a un plan. Il faut le vivre, en fait, il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut le protéger. Il faut avoir un plan de sauvegarde. Qu'est-ce que je vais faire pour le sauvegarder dans l'avenir? Qu'est-ce que je vais faire pour le sauvegarder contre la mondialisation? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le problème, c'est des savoir-faire. C'est qu'aujourd'hui, tout se fait avec des machines. Or, les savoir-faire, c'est des savoir-faire manuels. Comment on fait aujourd'hui pour protéger le savoir-faire manuel contre l'invasion de la mondialisation? Le produit coûte 10 fois moins cher. J'ai vu Marraf dans un marché. C'était un chouette magnifique, il soit un prix irrisoire parce que c'est venu d'un autre pays
qui est venu ici, il a vu tout ça à l'intérieur. Chawakim Khdoumin Ben Haz, Rahoukhdoumoum Blahdid, Djabouhoum, ils sont plus beaux que les nôtres, pas seulement, même le Afrrah, il y a un état généreux, Tiboufil, Khobz et tout ça. Ils ont ramené des choses magnifiques, mais avec des matières beaucoup moins nobles, qui coûtent 10 fois moins cher. Et donc, on tombe dessus parce qu'on a un souci à l'Kha. Mais c'est un coup de poignard au patrimoine. Donc, tout ça, il faut le décliner. Il faut dire comment on va protéger contre l'invasion de la mondialisation et contre la surenchère de l'inscription. Tout ça, c'est peut-être, peut-être labelliser le produit algérien Hor. Oui, mais ça aussi, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup ça demande de beaucoup d'investissement. Ouais. C'est parce qu'on labellise un produit Hor, d'accord. Mais on a 40 millions d'Algériens qui ne peuvent pas se payer Hajja juste parce qu'elle est labellisée. Ils peuvent se payer Hajja parce que c'est un prix abordable. Et ça, ça... C'est difficile. Ouais. Ça pose un problème, voilà. Donc, autre élément, quelle est pratique et savoir lié à l'IMZ. Là aussi, c'était un gros dossier avec beaucoup de mythologie derrière. Une image de la femme extraordinaire. Je n'en dirai pas plus parce que sinon, je vais m'emporter, moi, quand il s'agit des femmes. Je passe au suivant. Le suivant, c'est le suivant d'ailleurs qui a été classé la même année parce que, et ça me permet de parler de deux choses. Indna l'IMZ classé en 2013 ou Indna le pèlerinage qui est la Fantasia classé aussi en 2013. Alors pourquoi on a pu classer exceptionnellement deux éléments? Parce que l'IMZ il est sur une liste commune, Hna ou le Mali ou le Niger, même ou Hna les donne un dossier, c'est la liste commune. Le pèlerinage de Rksidchir, il y en a la Fantasia, c'est une liste individuelle, c'est la liste représentative. Donc, ce sont deux éléments qu'on a pu mettre ensemble parce qu'on a travaillé avec les autres États. Et là, ça passe. Et pour travailler avec les autres États, vous pouvez faire dans la même année 10 éléments. L'Arabie Saoudite, elle a très bien compris. Maintenant, alors qu'avant, elle est rentrée Rekima, l'Arabie Saoudite, ça fait belle Karbasnen. La convention que nous avons. Et bien déjà, elle a les éléments. Ou maintenant, elle a parce qu'elle a compris, dire le monde avec le Koweït, dire le monde avec les Émirats, dire le monde avec le monde arabe, dire le monde avec le monde arabe, avec le Mascat. Donc, tout ça, c'est acceptable dans la même année. Alors que sur la liste représentative individuelle, on a droit à un seul dossier. Donc, ils ont compris. Mais il faut beaucoup d'argent aussi, parce qu'il faut un investissement, il faut y croire, il faut beaucoup d'argent, il faut former les experts et il faut mettre à la disposition des experts les moyens et de la reconsidération, de la considération pour les experts. Ça, je ferme la parenthèse. Donc, là, on a classé deux éléments. Ensuite, Kane, les rituels de cérémonie de la Sbeiba dans l'oasis de Janet en 2014. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une histoire derrière, ancestrale, qui date de 10 siècles avant Jésus et tout ça, il faut la savoir. L'élément suivant, c'est le pèlerinage annuel de la Zawiya de Sidi Al-Hajj Al-Qasim, 10 bour dans le Gourara, c'est le Sbour Tatimimoun. Ça aussi, c'est quelque chose de magnifique parce que quand vous y allez, c'est la sérénité. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que la pandémie t'habbes ou n'aoudounou le Sbour Tana tel qu'il était avant. Il réunit des milliers de personnes, hommes et femmes confondus, qui viennent de tous les villages, de toutes les tribus, de toutes les zawiyas, de toutes les wilayas. C'est extraordinaire. C'est vraiment un événement à voir. Et puis, nous avons qui est l'Ilma. Alors, qui est l'Ilma ou les mesureurs d'eau? C'est les Fugara. On les appelle comme ça. Généralement, on appelle ça les Fugara. C'est un système de répartition d'eau dans le désert. C'est un système qui est en voie de disparition, surtout que maintenant, les gens, ils ont de l'eau à la maison. L'agriculture oasienne, elle est en train de mourir. Donc là aussi, on l'a classé sur liste d'urgence. Mais le plan de sauvegarde, il faut sérieusement le mettre en œuvre parce que sinon, si on fait un plan de sauvegarde et on ne le met pas en œuvre, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, il faut revoir le plan de sauvegarde et revenir sur ça pour que ça puisse vraiment avoir du sens. Ensuite, bon, moi, je crois que je me suis arrêtée là.
Mais attendez, est-ce qu'il... Si. Ah, quand même, j'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié savoir et savoir-faire et pratiques liées à la production et à la consommation du couscous en 2020. Le classement du couscous, c'est... Vous savez que ça a été jugé par l'UNESCO comme pour l'année 2020, le meilleur dossier de l'année. Le monde entier a voulu participer à ce dossier, donc il a fallu limiter les participants, parce que sinon, France, Arbitre, l'Italien, Portugal ou Kamel. Donc, on a dit, il ne s'agit pas de prendre la sauce et de la mettre sur des graines. D'abord, fabriquer les graines. Et ça, c'est nous qui les grains. Parce que la graine, c'est la graine de blé, celle qui va dans la terre et elle produit. Les épis. Graines de couscous, il ne produit rien du tout. Pas de wahwa. Donc, c'est un grain. Juste distinguer entre la graine et le grain. Donc, fabriquer le couscous, le ftil. Les événements dans lesquels nous fabriquons le couscous. Le couscous tal'oula, qui est une des champs qui accompagne, parce que le ftil wa'ar, le ftil la belle ou le ftil wa'ar. Donc, bashi ftlun ça, il renno. Donc, l'urna li trenna ma le ftil tal'oula, ou l'urna li trenna ma le ftil tal'ars, mashi kif kif. Donc, hadak le cérémonial autour du couscous, rentre en considération. Après, il y a toute la partie agricole qui rentre en considération. Il y a aussi tout l'artisanat qui tourne autour. Je connais l'ir de m'sayal, je connais l'ir de m'djfna, je connais l'ir de m'le couscous. Et c'est du matériel qui n'existe que pour le couscous, parce que l'am, alors que le couscous, il porte son nom. Donc, c'est le seul, depuis la naissance du couscous, c'est le seul mets, M-E-T, C-E-S, c'est le seul mets qui a sa propre vaisselle, ses propres ustensiles. Donc, la spécialisation de l'art culinaire a commencé avec le couscous. Et ça, c'est génial. Deuxième point, c'est un couscous fait à la vapeur. Le couscous, bon, c'est vrai, chez les Chinois, la cuisine à la vapeur, elle avait commencé depuis 4000 ans. C'est sûr, les fouilles archéologiques le prouvent. Et le blé, le plus vieux grain blé domestiqué, a été trouvé aussi dans une fouille archéologique. Donc, le grain de blé, ou le ftil, le couscous, ce sont des enfants algériens. Ça, c'est clair. Algériens de toute l'Algérie, on s'en fiche de quelle région. En tout cas, aujourd'hui, toutes les femmes algériennes y arrivent le couscous, tous les hommes algériens aussi mangent du couscous. Mais ce que je voulais dire, c'est que le génie du couscous, c'est quoi? C'est que c'est fait à la vapeur. C'est de la cuisine à la vapeur. Avant le couscous, la semoule, t'terha, tib kisra, ou la tib fil qadra, al-djina namouha fil qadra. Mais le couscous, il a tout transformé. Parce que c'est les graines de blé, et ça c'est extraordinaire. Dans l'histoire de l'art culinaire, c'est une révolution. C'est ça qu'il fallait mettre en valeur. Et non pas seulement les 400 ou la 500 ou la sorte de sauce que nous avons, et tout ça. C'est déjà dans le process. Voilà, et ça c'est secondaire parce que ça change tout le temps. Et en plus, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le couscous, ça ne se mange pas tout seul, ça se mange en communauté. Il est présent dans tous les événements importants de notre vie. Makash wahed yezouj bel frites ou la yedfen bel frites ou la yrouh yedir wa'da fel zawiya bel frites ou la yseddaq bel frites, yseddaq ta'am. Et puis plein de choses quoi. Si je commence, comme j'ai porté le dossier, donc ouais. Si je commence à parler de ce dossier, c'est un petit peu ma vie à moi quoi. C'est ouais, j'ai passé ouais. Quand même des années. Il y a aussi un point important, c'est l'inscription à l'UNESCO. Comment ça se fait comment se fait le dossier en fait? Qu'est-ce que je vais dire? Je finis juste parce qu'il y a un élément qui manque ici. Il a été classé récemment, je n'ai pas eu le temps de le dire dans la diapo que vous avez. Et après, je répondrai à cette question. Sauf que l'Al-Haqlour, je vais dérouler la pause. Il n'y a pas de pause. D'accord. Ok, donc dernièrement, et ça, je voulais aussi en parler.
Alors, dernièrement, a été classé un élément. Ce n'est pas l'Algérie qui a porté le dossier, mais l'Algérie fait partie des 14 pays ou des 16 pays qui sont dans le dossier. On a classé la calligraphie, le khat al-arabi. On est quand même un des membres qui ont classé le khat al-arabi. Nous avons des khattatin extraordinaires. Le khat al-arabi, il a une histoire. Il a une raison d'être. Mais il s'est passé avec la fête mar al-kira hada nasma' bih. Et ça, ça fait un peu mal au cœur parce que les artistes, enfin les khattatin, les calligraphes, quand on a travaillé avec eux, on leur a promis des choses. Moi, je me suis engagée avec eux parce qu'on a été, on n'est que deux à porter le dossier pour l'instant, le khat al-arabi fi Dzaïr, ou le dossier tal couscous, je suis la seule à le porter. C'est pas une grande équipe, alors que dans le monde entier, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut un peu plus de considération pour les experts, et il faut beaucoup plus d'experts. Donc, des groupes qui travaillent, ou qu'il y a un représentant, il dit, on a deux personnes qui travaillent, on a un directeur, et la réunion. Alors que, c'est normalement les gens qui ont travaillé qui devraient être présents dans la réunion, parce qu'il y a des questions techniques qu'on va vous poser. Ouais. En fait, madame, on a l'armée normale, on a l'armée blanche de la santé. On vient de découvrir une toute petite armée de notre patrimoine. Et moi, je vous considère comme les combattants du patrimoine. C'est une catégorie que je ne connaissais pas. En un tel mot, voilà Jazair Hobbs, ce qu'elle apporte. Et voilà, on regarde que vous êtes un cas presque unique en Algérie avec le centre. Alors que c'est un centre hyper important, et oui. Donc les experts, nous on interpelle, moi je suis interpellé, je l'exprime, il nous faut beaucoup plus de gens que vous, et vous-même, comme vous le disiez, vous êtes une bibliothèque vivante. Merci. Il faut que Tralina des jeunes, madame. Voilà. Non, à mon niveau, j'essaie de former, sincèrement, c'est pas évident, parce qu'on n'a aucun moyen, c'est-à-dire que quand on est recruté au CNRPH ou ailleurs, on est recrutés en tant que chercheurs. Ils sont tous recrutés en tant que chercheurs. La différence, c'est qu'il y a certains qui ont été recrutés 10 ans plus tôt et qui ont appris des choses. Donc là, maintenant, je voudrais que les autres fassent cours avec un T à la fin et puissent intégrer rapidement la recherche. Et donc, je les accompagne. Mais ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas les moyens d'être les formateurs de la recherche. On est tous considérés au même niveau. Je ne demande pas un salaire supplémentaire, ce n'est pas ça. Mais je voudrais quand même avoir les moyens pour pouvoir et la notoriété pour pouvoir former les jeunes chercheurs. Parce que qui est un chercheur, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la recherche dans un centre comme le nôtre. C'est quand même très, très grand. Le CNRPS, c'est presque l'équivalent du CNRS, quoi. Donc, quand on rentre dedans, et quand on est accompagné par les anciens, ça donne de la valeur. Quand je suis rentrée, je me suis retrouvée et je relitais, mais les anciens, ils ne nous parlaient même pas. Maintenant, j'ai envie de recevoir les nouveaux et de pouvoir leur donner la méthode, la voie avec un E. Seulement, il faut des outils d'apprentissage, des outils d'accompagnement, des outils de formation. Et ça, ce n'est pas toujours bien vu. On ne les a pas toujours. Donc, c'est des manques. On est très chanceux d'être dans la recherche. En parlant de calligraphie, voici un article qui est sur notre site. Voilà. Qui parle du sujet calligraphie arabe, patrimoine immatériel de l'humanité au nom de 16 pays. Voilà. 16 pays, un article qui est déjà sur notre site. Il est porté par un pays je crois que c'est porté par l'Arabie Saoudite. Parce qu'il faut toujours un pays qui porte le dossier. Et les autres pays s'intègrent. Mais la demande est la même. Hein. Le dossier, nous avons tous un dossier individuel. Nous préparons le dossier individuel. Et après, il y a un comité de lecture qui doit se réunir pour regrouper toutes les connaissances dans un seul dossier. Mais les 16 dossiers, le dossier du couscous, c'est l'Algérie qui a porté le dossier. Donc, avec la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, je ne sais pas parce qu'elle n'a pas de couscous. Mais parce qu'elle n'avait pas ratifié la convention. Ouais. Donc, j'ai reçu toutes les informations. J'ai fait la fiche Tadzaïr, le film Tadzaïr, les photos Tadzaïr et tout ça. Après, j'ai reçu les autres éléments. J'ai intégré tout ça avec juste la personne qui a fait le film final. Et on a envoyé le tout à l'UNESCO. Et c'était un dossier très, très bien. C'est une très, très belle expérience. Donc, voilà.
Vous m'avez posé la question sur comment se fait le classement. C'est ça? Ouais, ouais. Je vous avais dit, je parle du dernier élément classé, ben je vais vous parler du classement. Ouais. Alors, le classement. Juste pour que les téléspectateurs aient une idée, sans forcément. Non, c'est une question pertinente, parce que les gens, ça va un petit peu dans tous les sens. Voilà, je m'ai classé tout seul, On classe un élément qui a du sens, parce que comme je vous ai dit, nous ne pouvons classer qu'un élément par an, si on peut. En plus, ce n'est pas toujours évident, parce que Khtarat, qui met l'Amlifet, on a déposé. Bon, nous, l'Amlifet, on a déposé la calligraphie. L'Amlifet, on a déposé le Narchal al-Ma'adin, mais c'est des dossiers communs. Dossiers individuels, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est les seuls à travailler sur le dossier, ça demande beaucoup de temps. Il faut d'abord que le dossier ait du sens. Il faut qu'il soit en danger. Il faut qu'il soit, que la population se l'approprie. قال راني نخدم به نحبه مانيش حاب يروح نعترف به تاعي je suis jaloux de ça. Et puis il faut qu'il y ait un plan de sauvegarde parce que par moment il y a des éléments qui sont en mode اعتزاز به هو الصح. اعتزاز به هو الصح. Mais en plus de ça, il faut qu'il soit en danger. S'il n'est pas en danger, j'ai pas besoin de dorket le robinet تاع الماء في الدار. Là je prends pas l'exemple تاع الماء حاجه اخرى. Ça devient plus que اعتزاز. Ma valise, je l'aime bien, elle me permet de voyager mais je vais pas la classer. Parce que j'ai les valises à l'autre là. Donc, j'ai dit ma valise parce que je regarde là, une valise pour moi. Donc, c'est important. Une appartenance, et il faut qu'il ce soit le mien, même si s'il n'est pas le mien depuis 20 siècles, même s'il est seulement là depuis 50 ou là 100 ans, mais je le reconnais comme étant le mien. Et surtout, qu'il est en danger parce qu'il est agressé par la mondialisation. Je vous ai dit tout à l'heure à la Tabsita à la Chaouette, il est maintenant en danger parce qu'on le fabrique avec du fer et il est vendu, il est très très bien vendu. Et en effet, à ça, cela, on n'a plus envie d'avoir une assiette qui dure deux siècles. La Tabsita à la Chaouette, ça s'hérite. C'est comme Khetaror, c'est comme Kravash Boulria et tout ça, nous voulons. Mais aujourd'hui, la mondialisation, c'est une forme de déconstruction pour reconstruire à la standardisation. Voilà, c'est une forme, c'est effectivement la standardisation. Ils nous déconstruisent pour les reconstruire à leur image. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc, il faut lutter contre ça. Mais surtout, il faut une appartenance à la société civile. L'élément ne doit pas venir comme ça. Juste, واحد كان راقد في الليل وردهم داك يقول آه ديروا لي دوسيير على هاد الشيء. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ça vienne de la société civile. Il faut que ça vienne des porteurs et des détenteurs. Quand on a classé l'élément de l'IMZ, parce que l'IMZ, ce n'est pas seulement un instrument de musique. On ne l'achète pas dans un magasin de musique. L'IMZ, c'est un instrument que les femmes fabriquent et qu'elles jouent. Et il y a une mythologie derrière. Encore, voilà, celui-là. Il y a, c'est pas le bendera, c'est l'autre, la corde, l'instrument à corde, corde grave. Donc, il est fabriqué par les femmes. Il ne restait plus que quatre femmes qui fabriquaient l'IMZ. Entre-temps, Wahda Matit. L'Amlifet, on a travaillé sur un dossier qu'on a déposé, mais qui n'est pas encore passé. Il va passer dans quelques temps. L'Qinar Ba'ou l'Akhm Sayyir Nouhada Kelfin. Fihed l'Am Barak Ma'al Covid Batouzouj. Cet élément existait dans 9 wilayas. Il existait, quand je dis il existait dans 9 wilayas, Fi Wahran par exemple, il y en avait des centaines et des centaines. Fi Wahran, les jeunes qui essayent d'imiter. Mais il ne reste plus que 5, il n'est plus présent que dans 5 wilayas. Ou Fi Had les 5 wilayas, il y a une Wahda ou la Zouj, ou déjà l'Amlifet met au Zouj. Donc, c'est ça qu'il faut classer. On ne classe pas quelque chose parce qu'on l'aime. On classe quelque chose parce qu'il y a réellement un danger de disparition. Les fabricants n'existent plus. Pas de le danger, madame. Hadou, les jeunes qui essaient de reprendre le flambeau. Est-ce que nous avons la notion de maître artisan ou maître quelque chose? Est-ce qu'il y a un classement il y a des métiers ou là des arts de l'artisanat où ça existe. Par exemple, le Cheikh Tachabi. Tu as maître de Cheikh Tachabi,
Bon, c'est vrai, on peut rentrer dans Alham al-Shabab et chanter le Shabi. Mais pour devenir cheikh, ma'allem, lazm juste par un courant. Hatta l'Andalousie, عندهم تن ma'allemin tahoum. Est-ce qu'ils ont des statuts, Hagda, des statuts dans nos structures à nous? Des statuts au sens officiel, non. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de statut et qui existent quand même. Moi, j'ai vu une fois, ils ont un classement de l'artisanat. C'était un reportage en Europe. Je ne sais pas si c'était la France. Ils ont le statut de maître artisan. Il y a des conditions pour obtenir le titre de maître. Oui, mais ça, il faut mettre tout ça en place. Là, on ne l'a pas mis en place. Nous, on a 5 ou 6 siècles de notre histoire qui a disparu. L'invasion, enfin, je dis bien invasion. L'invasion turque et ottomane et l'invasion française, tout ça, ça a bloqué la société algérienne et ça l'a coupée de ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire son être spirituel, son être culturel. Et ça, il faut tout remettre en place et ça prend énormément de temps. Ça prend d'autant plus de temps qu'il fallait aussi reconstruire le pays, créer une économie, créer des écoles, créer des universités, tout ça, de l'actualité, pas pour le patrimoine. Ouais. Tout ça a mis le patrimoine de côté. Et pendant ce temps-là, les vieux, ils sont en train de mourir. Le monde va plus vite. Les vieux sont en train de mourir. Donc, on enterre nos bibliothèques. Comment ? Nous perdons nos bibliothèques et nous n'avions pas le temps de nous en occuper parce qu'il faut quand même s'occuper des enfants qu'il faut former pour devenir médecin, avocat, etc. Donc, c'est une équation très complexe et compliquée. Mais il faut quand même y penser. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important. C'est que dans les autres pays, le privé existe. L'artisan lui-même, il peut créer les stades de la Kadar Alihom, il peut créer ses écoles et tout ça. L'artisan, il n'est pas encore sur ses pieds. Il n'est pas encore vraiment porté par ses pieds. Fragile. À l'écran, madame, il y a un article, Tanit, on a parlé de la dame avec les touffettes, Oui, c'est Lella, son prénom c'est Lella. J'ai du mal à lire parce que c'est petit. C'est l'article qui est sur notre site qui parle de cette dame-là. D'accord, ok. C'est encore une bibliothèque. Voilà. Oui, mais on ne parle pas de la femme. C'est l'article Hada. Oui, je le vois. Rahil Ikoun Mzad. Oui, oui, elle est morte, ça fait pas longtemps. Un autre registre qui n'est pas le classement, Khdemnatanit, l'inventaire de la wilaya de Médéa. Et pendant que nous travaillons, on est passé par plusieurs chouyours, c'est-à-dire des vieux. Wahed Fihoum, il est mort pendant qu'on faisait la Khdemdoum, le Hilfa. Eh bien, il est mort pendant l'étude. Quand ils ont voulu lui rendre hommage, on leur a donné le film que nous avons fait. D'ailleurs, je crois bien qu'il était dans... Bon, c'est pas grave, on va pas y revenir. Mais on leur a donné le film que nous avons réalisé pour nous, pour lui rendre hommage. Magnifique. Voilà. Donc, on va quand même avancer. Vous voyez, là, j'ai essayé de travailler sur un seul élément, ce qui nous unit. Après, j'ai essayé de travailler sur un seul élément, alors je vais me rapprocher de l'autre ordinateur, juste le chant, Rna. Gros dossier. La chanson. Si on prend toute l'Algérie, et je n'ai pas fini, hein, c'est juste quelques bribes. Je commence par Chabé, donc je commence par Alger, et puis je vais aller dans le sens contraire des aiguilles de la montre, et je vais faire le tour. Adna Chabé, le Houzé, le Medh ou le Meddahat, l'Andalou, le Houfé, le Raï, encore le Medh, mais ça a été cité 2 fois, mais c'est la même chose, c'est 2 trucs différents. Le Houbif, le Fibchar, Baba Salem, l'Ahlil du Gourara, l'Ahal, encore dans le sud, l'Imzad, dans le sud, Sbaïba, dans le sud, l'Arobi, Yayay, Sarawi, Zajel, Malouf, Idbelen, Tbabla, Achouir, et puis d'autres, Sbeiba, Ayrad, Anzar, tout ça, c'est des chants. Alors, nous avons des chants relatifs à des événements et des chants qui sont vraiment de l'art. Et ça, c'est uniquement un point.
On peut faire la même chose concernant tout. Si on prend le couscous, juste le couscous wahdo, عندك des variétés de couscous extraordinaires. Si on prend le vêtement, je ne sais pas si j'ai ici. Oui, je l'ai aussi, le vêtement va y revenir. Les instruments, après ça, la page suivante, nous avons les instruments. Les instruments aussi, عندنا, la flûte de l'Ahlé, passez la page suivante. Et les instruments aussi, pour chaque musique, on a un instrument ou on a un ensemble d'instruments. Donc, et c'est des instruments qui sont fabriqués manuellement. Tout à fait en bas, à droite, je ne sais pas si vous le connaissez, le monsieur qui est là, assis. Il avait un mandol avec une ou deux cordes, donc il lui manquait en tout cas au moins une seule corde. Kenf tunnel de ta Alger Centre Dame, la fac centrale, tunnel des facs. Depuis 62 jusqu'à 2002. Oui, la même musique avec le même instrument. C'était, il jouait des notes fausses, mais tout le monde l'adorait parce qu'il a marqué la fac centrale. La marque Head ou les marches du Khorjum tunnel, Kwananan, des loplakatma. Parce qu'il a marqué cet endroit. Ça m'a fait un pincement au cœur. Pourtant, j'avais déjà quitté la fac centrale depuis longtemps. Je suis partie à l'étranger, donc des années, je ne passais pas, donc j'aurais pu l'oublier. Mais je ne l'ai pas oublié. Donc, normalement, ça, ce sont des choses, ce sont un patrimoine vivant. Et quand ils ne sont pas là, il faut faire quelque chose, il faut mettre une plaque pour montrer qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit précis. Pour revenir tout à l'heure à l'exemple que vous m'avez donné concernant le Ma'almin, quand vous allez dans les pays qui se respectent, ici a vécu Flan, ici a vécu Flana. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a, à part A'udhu Billahi min Qawlati Ana, nous ne reconnaissons pas les valeurs humaines, les valeurs des humains, D-E-S plus loin humain. Et ça, c'est malheureux. Il faut reconnaître les valeurs de l'humain, parce que c'est l'humain qui donne le patrimoine, ce n'est pas le contraire. Et quand il n'est plus là et qu'il nous a laissé quelque chose qui nous fait vivre et qui nous enrichit, il faut quand même qu'on lui soit reconnaissant. Il faut arrêter d'être reconnaissant comme ça dans l'absolu envers tout le monde. C'est vrai qu'il faut être reconnaissant dans l'absolu envers tout le monde. Mais envers des individus précis qui ont donné plus que les autres, il faut être reconnaissant en particulier. Ils nous ont marqués, donc on doit bien les identifier. Ils nous ont marqués, ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué le patrimoine. D'ailleurs, entre guillemets, à la fin, je vous exposerai l'idée, vous me donnerez votre avis sur d'accord, ce sujet-là. D'accord, je vais essayer d'avancer. Donc, avancer deux diapos. Allô? S'il vous plaît. Voilà. Oui, c'est bon. Vous voyez, si on fait le tour, Tanit, concernant le côté vestimentaire. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tenues qui sont en danger. Elles n'ont pas encore disparu, mais je vous ai parlé tout à l'heure de Djabadoli ou Djabado. Il est vraiment en danger, le Djabadoli. Il faut faire quelque chose. Timil Haft, il faut faire quelque chose. Le Burnos, il faut faire quelque chose. Sarwel Tka, il faut faire quelque chose. Sarwel Tansa, Meshitka, Sarwel Shqa, il faut faire quelque chose. Tout ça, on ne les voit plus. On est devenu, on a 3 mètres de tissu, on fait une couture par-ci, une couture par-là, et ça s'appelle une robe. Donc, alors que nous avons des robes, elles sont toutes issues de la même tenue parce que un peu plus loin, on va voir, je ne sais pas si c'est dans cette diapo ou dans une autre, mais on va peut-être voir qu'il y a quand même des troncs communs. Mais après, ça a donné une telle variété qu'il y a de la variété, il faut la maintenir. C'est la diversification qui fait la richesse, ce n'est pas la standardisation. Dans le sud, la diapo suivante, nous avons aussi des tenues particulières. La tenue qui est à droite, c'est un homme qui danse dans ce Sbeiba. Alors, il a une tenue particulière, mais hadith al-Aïd, tanhar Sbeiba, parce que c'est l'Ikbir Kamel Ta'arid, c'est-à-dire grand, la plus grande fête du sud de Janet, c'est ce Sbeiba. Et puis, on a les femmes qui sont habillées toutes d'une tenue qui ressemble un petit peu à Timil Habs, qui s'appelle Tisranest. Déjà, le fait de la mettre, j'ai essayé de mettre une tisserneste une fois, il y avait 2 femmes pour m'habiller, ça a pris plus d'une demi-heure, et je ne me rappelle pas ce qu'elles ont fait. La femme que nous avons vue un peu plus tôt, Tartim al-Haf, Tarnama, Katli Hadaropa Hadif al-Bartash, le Mitra déjà, celle-là, voilà. Hadif al-Bartash, le Mitra, il a fallu aussi 2 femmes pour l'aider. Katli Aounouni Benati Fizouj. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est de l'art.
Donc, je ne demande pas à ce que toutes les femmes s'habillent pendant 2 heures tous les matins, mais il faudrait que ça reste pour nos mariages, pour Gestanarosa, pour les moments significatifs et tout ça. Pour l'apprendre aux jeunes, l'apprendre, c'est apprendre ces gestes aux jeunes. Oui, il faut déjà savoir comment c'est, parce qu'il n'y a presque plus personne qui sache comment ça se fait, tout comme le burnous. Qui va me dire, وقتاش البرنوس الى هذاك لو ديابازون هذاك تاعو كيفاش وقتاش نديروه لهنا وقتاش نديروه لهنا déjà ça c'est un geste de cavalier. Ouais. Quand on est assis, on n'a pas besoin d'avoir le diapason ici. Mm. Quand on est sur à cheval, il faut qu'il soit devant, c'est le seul moment où le فارس الراجل يدخل راسو في القلم بين يدخل راسو mais يديرش البرنوس تاعو فوق كتافو برك. Parce que quand il fait du galop, sinon le burnoustar est rahlo. Donc le diapason est tolehna, le chichid. Sinon le reste du temps, le diapason il est derrière. Ce qui fait que le burnous il est tawil ala lazm. Donc lazm rajil ikon tawil, ou la machi tawil lazm ya'ab. La ta'arif le marak fich takhdem le burnous hadak qsir selon la taille, sinon il tkarkar. Et tout ça c'est des savoir-faire. Moi, ma mère quand elle me raconte ça, il faut vraiment être. C'est le nec le plus ultra quoi, pour savoir faire un burnous. Les femmes qui savent tisser un burnous, elles sont triées sur la volée. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, à toutes les femmes, de savoir le faire. Parce qu'il faut fabriquer déjà, il faut trouver la bonne laine. La fabriquer fine, très très fine. Et fabriquer le burnous sans patron, sans rien, deux parties qui se cousent séparément. Ils se cousent en longueur, en horizontale. Et puis quand on plie, sans dessin, sans patron, quand on plie, ça ne dépasse même pas d'un centimètre, alors que c'est 4 mètres de large. Et ça, c'est un travail de fourmi. En plus, c'est un travail de précision. C'est de la géométrie dans l'espace, quoi. Donc, c'est ouais. Tout ça qui disparaît. OK, donc on passe à la... Vous voyez tout ça, donc c'est des exemples que j'ai donnés. On passe à la suivante. Voilà, tout ça, ce sont des exemples qu'on peut passer vite. Juste pour dire que le travail à la main, c'est un savoir, voilà, c'est le fitlaou mejboud. À gauche, c'est le mejboud. Ça, c'est le mejboud qui commence par le fard et tout ça jusqu'à arriver à le mejboud. Comme je ne sais pas tout dans la vie, je ne sais pas faire le mejboud. Et c'est très, très difficile à faire. Ensuite, derrière, on passe à la diapo suivante pour faire un peu plus vite. Voilà. Là, je voulais juste... les mots se sont entremêlés, le fouqa, mais là, j'ai pris 3 exemples, trois photos du 19e siècle que m'ont donné des femmes souvent. Sinon, elles sont sur Internet. Vous avez une robe de Tlemcen, celle qui est à gauche. Une robe du centre, c'est celle d'Alger. Et celle de droite, c'est celle de Soukharas. Ce sont des robes identiques. Une longue veste, une robe à l'intérieur, la tenue, les bijoux. Bsraboul Johar, et puis une toque avec un foulard qui ressemble un petit peu au Mendil Zahir, ou le foulard d'Alger. J'ai encore perdu son mot. Donc, c'est à partir d'une origine commune qu'on arrive à toute une variété qu'il va falloir protéger. Ensuite, C'est le répertoire et l'inventaire. Oui, donc tout à l'heure, on a parlé du classement. Je vous ai dit que le classement, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important et qui doit passer avant le classement, c'est l'inventaire. Parce que dans l'inventaire, à travers l'inventaire, nous pouvons savoir exactement ce que nous avons. Et là, dans l'inventaire, tout passe. Ce qui est très important, ce qui est un peu moins important, ce qui est en danger, ce qui est moins en danger, tout doit passer. Documenter, voilà. On a commencé à faire l'inventaire sur quelques wilayas au CNRPH, puis après le budget s'est arrêté, voilà. Voilà la page que je cherchais. Le grand méchant budget. Voilà. La page que je cherchais tout à l'heure, donc je ne sais pas pourquoi elle est venue ici, mais bon, c'est pas grave. Sur la Casbah, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la Casbah. Donc, sur la seule Casbah, si on doit faire un inventaire, qu'est-ce que nous avons dans la couture, on a le sarwel, le karek ou le hayek, les accessoires, le tissage, la broderie. Dans l'art culinaire, nous avons la confiture,
la distillerie, bien sûr, Ta'am ou Gaïdek Mahajaliyum, ça existe partout. Le Mazhar, la distillerie, le Mazhar ou le vinaigre. On a des gâteaux. On a le halwa, qui est mahlou de taba. On a le tcherek, c'est un T au début, c'est pas un R. Tcherek, Samsa, 40 états, on en a parlé. Qalbellouz. Et puis, on peut rajouter, à chaque fois, il y a des points de suspension. Le couscous, shorba, les traditions familiales, on a le mariage, seba, la circoncision. Nous avons aussi ziarat, c'est-à-dire les sources. عين العرايس وعين الذهب وعين كذا وعين كذا هادو كامل زيارات ابري عندنا زيارات تاع الزوايا اون ا لي رويل الزناقي تاع القصبه كل زنقه عندها خدمتها عندها لا سبيسياليتي تاعها تو سا سا رون دون لانفونتير سي تو سا سي با اكلاسي باسكو سينو يل نو فودري 500 ans مي سا رون دون لانفونتير عندنا سبارين لو تاناج لو ترافاي دو كوير عندنا لورفيفروري الذهب والفضه والنحاس اي تو سا Qu'est la vie des terrasses? Les terrasses, c'est quand même une vie. Les femmes qui sont là, ils ouvrent le l'Eid, ils ouvrent le Ramadan, ils feront les légumes, et tout ça, c'est dans les terrasses. Donc les terrasses de la Casbah, elles ont une vie. C'est pas seulement des terrasses pour clôturer ou là pour finaliser un travail. On a l'art qui m'a dit comme à l'ouel, comme les chefouillettes, les oralités qui m'aiment beaucoup. C'est dans les casbahs qu'on le fait, c'est dans c'est un art de citadin. Les proverbes, la musique, le hawzi, le sha'bi, l'arobi, le medh, le babassel, le mzarna, etc. Donc on a énormément de choses. Les chanteurs de rue, la poterie, la céramique, tout ça, ça rentre dans l'inventaire. Et puis, au fur et à mesure qu'on travaille, Houma, la société civile, c'est eux qui vont nous orienter, nous mettre sur d'autres voies. Donc, c'est avec la société civile que nous pouvons faire un inventaire. On ne le fait pas dans un bureau. On le fait à l'intérieur de la casbah, diar, ndokhlou le diar, yistaqblouna w yhadrou ma3na douk l'ajayez, choukha et tout ça, ou les jeunes tahom rahom yismou ma3na, on les implique. On prend avec nous les associations culturelles, on les implique aussi parce qu'elles vont prendre la relève après, parce que nous, on les experts, on passe et on s'en va. On fait le travail, on ramène du papier, on gratte le papier, on le met dans un ordinateur. Au mieux, c'est une regarde sur le papier pour l'instant, ou Hadamakan. Mais celui qui le plus important, c'est les associations qui doivent nous accompagner pour qu'elles puissent comprendre l'importance de leur travail et prendre la relève. Voilà donc l'exemple d'un inventaire. Bon, évidemment, nous avons aussi, derrière, nous avons les casbahs qui sont fermées, la majorité. Si elles ne sont pas fermées, elles sont complètement déconstruites. Et puis, toujours dans l'inventaire, nous devons toujours rendre hommage aux détenteurs, ceux qui nous donnent l'information. L'information du patrimoine, ce n'est pas un livre de maths, ça ne vient pas du néant, ça vient des personnes. Parce que tout ça, ça rentre. شكون اللي تخدم الحنة ومنين تجي الحنة وشكون يجيبها من الغابة ولا من الجنان ولا tout ça ce sont des choses qui se disent par des personnes et donc ces personnes là il faut leur rendre toujours leur rendre hommage et je finis en disant que le classement c'est bien mais l'inventaire c'est mieux et le plan de sauvegarde c'est une nécessité on m'ktouf la dernière diapo voilà donc le classement c'est bien. L'inventaire, c'est mieux et le plan de sauvegarde est une nécessité. Et merci. Merci à vous, madame. Vraiment, vous nous avez un petit peu scotché, si je peux dire. Moi, j'étais ébahi. J'avais même du mal à vous poser des questions tellement j'appréciais un petit peu la conférence, si on peut l'appeler conférence. En tout cas, votre exposé, vraiment magnifique. Où je reviens au terme qui m'a traversé tout à l'heure que j'ai dit, pour moi, vous faites partie de l'armée du patrimoine. Je ne peux vous définir autrement. Vous combattez pour la sauvegarde, pour l'identification, pour répertorier, pour documenter, enregistrer, pour que ça puisse continuer à être transmis, même d'une certaine façon académique, oui, bien que le patrimoine, il est transmis de personne en personne, mais c'est le plan de sauvegarde, je pense, qui, pour chaque sujet qui est important, comment encourager.
Nous, d'ici, pour ceux qui nous suivent et à bon entendeur, il faut soutenir ce genre de travail et surtout les plans de sauvegarde pour que ça continue à être dans la société. Le patrimoine tana. Franchement, moi, je suis vraiment bouche bée. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose ou là, je vais vous proposer quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je suis porteur d'un projet et je voulais vous poser la question de votre point de vue. Si on parlait des personnages nationaux historiques, c'est-à-dire les enfants du pays qui ont laissé une trace dans l'histoire, comment on peut les classer? Parce que je voudrais vous montrer le projet. On a fait déjà un live dessus et moi-même, je suis porteur de ce projet-là. Alors voilà, moi, je suis devenu artiste sculpteur par passion. C'est vous qui avez sculpté celle-là? Oui, c'est moi qui ai fait celle-ci. Et j'ai créé un concept qui s'appelle Maser Zakirat Abna al-Jazair, l'allée des mémoires, les enfants de l'Algérie. Donc l'idée est très simple. Les gens ne vont pas trop au musée, mais un musée mobile peut aller les voir. Donc un buste qui Mahada, mais a multiplié fois X personnages historiques et qui irait de ville en ville, de jardin en jardin pour que les gens puissent croiser leur histoire, les enfants du pays, dans leur quotidien, dans un parc, dans une rue piétonne, des expos de quelques jours, avec des activités aussi comme des conférences, qui m'a dit comment on peut parler autour d'un personnage, de son histoire, qu'est-ce qu'il a marqué dans notre pays, et que ça soit de tout temps, c'est-à-dire un révolutionnaire, un scientifique, un artiste, un homme ou une femme de lettres, etc., pour que surtout les Algériens s'identifient à eux-mêmes, comprennent la diversité et aussi puissent comprendre qu'un enfant du pays, lambda, peut marquer l'histoire et que d'autres enfants du pays puissent en parler dans X années. Donc c'est un peu l'idée, c'est de faire plusieurs bustes comme ça et de les exposer dans des rues, dans des parcs, et que ça voyage, que ça soit itinérant, que ça va de wilaya en wilaya, peut-être même à l'étranger pour nous représenter, etc. C'est un peu l'idée. Et puis dans l'avenir, ça peut se multiplier, comme ça peut créer plusieurs musées dans plusieurs endroits. Voilà, il peut être en duplex, c'est-à-dire on peut avoir sur 3-4 wilaya la même expo multipliée, et les gens interviendraient. On l'a fait ici, sur notre chaîne, on a invité un historien très connu qui nous a parlé de l'Amin Abdelkader. On avait invité Bloula aussi, qui nous avait parlé de... on a parlé aussi de Ben Mehdi. On l'a fait en virtuel. Le but, c'est d'arriver à le faire en physique. Voilà, en gros. Et je voulais avoir votre avis sur les... L'idée en soi, toutes les idées sont louables. L'idée est très bien. Maintenant, il faut voir au niveau légal. Parce que tout ce qui est muséologie, c'est du ressort de l'État. Et il faut juste veiller à maintenir la limite entre tout ce qui est du ressort de l'État et ce qui est du ressort du privé. Parce qu'une association, c'est du ressort du privé. Une personne. Sachant que ces sculptures, ce n'est pas des anciennes sculptures. Je l'ai faite moi-même il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai compris. Donc, c'est juste pour promouvoir le personnage lui-même en tant que héritage du pays. Je trouve que l'idée est louable, mais chez nous, on a besoin de... Vous savez, il faut toujours des autorisations pour aller quelque part, pour poser quelque part et tout. Oui, bien sûr, donc, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Voilà. Ah, non, sinon, ça, je trouve que c'est extraordinaire. L'initiative ne se fait pas seule, il faut le soutien. Voilà. Et puis, j'opterai plus pour les personnes moins connues que pour les personnes plus connues. C'est-à-dire entre l'Imam Abdelkader et Cheikh Haddad. J'ai pas cité Mokhalani, j'ai cité Cheikh Haddad. Mokhalani est connu, donc Cheikh Haddad, pour moi, il est tout aussi important parce que les gens ne le connaissent pas alors qu'il a fait des choses extraordinaires. Oui. C'est pour mieux faire connaître ceux qui sont moins connus aussi. Voilà. Lala Fadma, elle est connue, je l'aime beaucoup, mais bon, on ne connaît pas son visage, mais elle est connue. Parce que ce qui tourne sur Internet, ce n'est pas son visage. Mais sa famille dit qu'elle n'a pas laissé de photos. D'accord. Mais d'après une description d'un des auteurs qui a travaillé sur elle,
il y a quand même à travers une description, on peut retrouver les traits d'une femme assez potelée avec des joues très roses et tout, bien entendu, parce que Marthe de Tessef. Mais la Zineb, elle est beaucoup moins connue. La Zineb, elle est beaucoup moins connue. Le père de la Zineb n'est pas connu, n'est pas aussi connu que, qui s'appelle Sidi Belkacem, est moins connu que Sidi Belkacem Tati Mimoun. Donc, ouais. Ce sont des choses comme ça qu'il faut ressortir. Et surtout, les homonymes, comme Sidi Belkacem Tati Mimoun ou Sidi Belkacem Tal Hamel, distinguer entre celui-là et celui-là, ce serait bien. Mais c'est, l'idée en soi est géniale, il faut l'enrichir au fil du temps. Oui, parce que c'est les participants. Ça, je ne le fais pas seul, en fait. Moi, je suis porteur de l'idée, mais le but, c'est que ça soit soutenu par des institutions et voilà. Soutenu par d'autres personnes et d'autres artistes qui viennent et des conférenciers qui vont, en plus de la nature morte d'une sculpture, etc., avoir d'autres expressions artistiques, des pièces de théâtre. Donc, ça soit un événement sur 3-4 jours par Wilaya et il y aurait du contenu à chaque fois qui serait enrichi et qui aurait aussi... On peut passer à côté d'une sculpture, cliquer sur photographier un QR code et se retrouver sur un wiki qui reprend tous les contenus liés à un tel personnage et telle histoire, etc. Et puis, il faut dépasser seulement les personnages militaires ou... Non, c'est tout le monde, c'est tous les Algériens. Voilà, c'est tous les Algériens et même les Algériens dans l'histoire. Les scientifiques, tout le monde, en fait. Dans l'histoire aussi, nous avons, par exemple, on va parler de Saint-Augustin, et s'il vous parle algérien, Saint-Donat aussi, et tous les empereurs qui étaient de chez nous, mais qui portent des noms latins, parce qu'à l'époque, on avait des noms latins. Il faut faire un travail de fouille, et il y a des gens sur Internet qui font un très, très bon travail de fouille et qui nous enrichissent à chaque fois avec des choses, des empereurs algériens, des princes algériens, des savants algériens. Voilà. Tout ça peut apparaître. C'est tous les enfants du pays qui sont importants et dans leur diversité. Mais le but, c'est de toujours fédérer autour d'une idée de nation qui a toujours été là, qui sera toujours là, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps, on l'espère. Et c'est pour d'une façon ou d'une autre, la terre sera toujours là. Voilà, absolument. Et sur elle, les gens qui ont vécu et qui vont vivre dessus. Voilà. Exactement. Non, ça s'est appelé la Numidie, ça s'appelle l'Algérie et on verra dans l'avenir. Voilà. Ben, madame, je crois que si vous n'avez pas autre chose à ajouter, je crois qu'on a eu un super live aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter deux mots. Oui. Il y a des gens qui peuvent encourager l'édition, parce que pour éditer un livre dans ce pays, c'est très, très difficile. Même les grandes maisons que je ne citerai pas travaillent avec des noms connus et non pas avec des gens qui ont quelque chose à dire. Donc, si on peut revoir la notion de l'édition pour ouvrir les portes à tous ceux qui veulent écrire et ceux qui ont quelque chose à écrire, ce serait quand même un grand apport pour l'avenir de ce pays. Oui, moi je partage complètement et je lance l'appel avec vous et j'ouvre aussi une parenthèse que il y a l'édition électronique. Au niveau planétaire, elle est très ouverte, très accessible. Presque tout le monde peut éditer en version numérique et la vendre sur Internet. Et je pense qu'avec les dispositions actuelles qu'ils sont en train de faire, ça bouge un peu sur le cadre légal, sur l'exercice de la production intellectuelle, la production immatérielle, même son export. Ils sont en train de faciliter les choses. Mais moi, j'invite les gens qui s'intéressent à l'édition, à créer des regroupements, des labels de diffusion électronique. Et je pense qu'il y a un nouvel article dessus qui est beaucoup plus facile à faire que de l'édition en papier. L'un n'empêche pas l'autre, mais je pense que la voie du digital peut un peu aider à accélérer le secteur. Oui, quel que soit l'outil à utiliser, il faut quand même des éditeurs, parce que moi, je ne peux pas écrire et éditer en même temps. Voilà. Après, il y a tout le travail technique qui doit être fait par un éditeur, mise en page et tout ça. Ça peut être des projets pour les jeunes porteurs de projets qui sont bons dans ce qu'ils font. Ils peuvent aller vers des maisons d'édition digitales
Et ils peuvent être très performants et aider beaucoup de gens qui ne sont pas connus. Et le process sera beaucoup plus facile parce qu'il y a même le travail à distance qui est facilité, surtout depuis Corona. Voilà. Qui nous a ouvert les portes sur autre chose. Voilà. Voilà. En tout cas, madame, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de vous avoir avec nous. Et je n'ai pas oublié qu'on va faire, Inch'Allah, un autre live sur la partie société civile, ce qui est le socle de notre présent et à venir. Et, et on appellera aussi les historiens, vos collègues, qui viendront nous parler aussi de l'Algérie, sous différentes coutures, pour revenir à la couture. D'accord. Merci beaucoup, madame. On vous dit bonne continuation, à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ou à ceux qui vont nous voir ultérieurement. Likez, partagez un petit peu dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Envoyez des liens à ceux que vous pensez pouvoir toucher par une approche qui est beaucoup plus calme, sereine, et regardez le plaisir qu'on a à découvrir. À nous redécouvrir nous-mêmes, en fait. L'Algérie, c'est nous. Voilà. Baklaou Fekoum, merci beaucoup. Salut, merci. Bonne continuation. Merci. الشعب اللي تمشى بالحفار عشوك عجلي وعلى النار بن بولعيد واسمه مصطفى علي لاكوانت وبدي عمار القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار انا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين دهشوا نهار علي ما توقف احنا عبدنا نموت واقفين نموت على النيف والشرف نموت على الوطن والدين علمنا بلادي حيرفرف على هما الجزائريين بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين حبوا يدي والبلاد ديالي حسبونا ما ناش قادرين فكتهم حسيبة بن بوعلي الجميلة تنسى الاخرين من حقك يا الجزائر تولولي ولدي نسى ورجال حرين انا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين واش نذكر واش نخلي شهداء روحهم طاهرين مازالهم في قلبي وفي بالي ربي يرحمهم اجمعين والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياص وساطيل على عروج وخير الدين احكي لهم وفهم الناس اللي جاهلين بلي الجزائر ما هيش ليهم ولادها ما زالهم عايشين في وسط الناس كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين
الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الجناس كيفاش تعرضهم في الشدة ديما متحدين.